Challenge, pas stupé, une première équipe qualifiée en Swiss Belge. Mesdames et messieurs, bienvenue, re-bienvenue sur ROTP. On est de retour dans ce championnat du monde. Il vous a manqué, il nous a manqué, vous nous avez manqué. On espère que vous vous portez bien, évidemment, et que vous êtes prêts pour la dégustation de ce sprint final de fin des Swiss Round. Mesdames et messieurs, on va parler de qualification, on va parler de danger, on va parler d'historique. On va parler de Top eSport, de D+IA, de HLE, de FlyQuest. Les quatre équipes qui rentrent sur le terrain aujourd'hui pour le spectacle, pour l'histoire. On va vous expliquer comment, bien sûr, et évidemment pour ce fameux titre de champion du monde 2024. On en est loin encore, évidemment, mais on s'en réjouit parce que ça approche à grands pas. Et bien sûr, d'ici une semaine, tout ce beau monde, enfin la plupart en tout cas des protagonistes, seront présents à Paris. On pourra... pour aller voir directement en live et commenter ces beaux matchs pour vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce pré-show, donc, pour optimiser votre dégustation avec Triton, avec Marex, une superbe équipe pour décanter tout cela. Bien bonjour, messieurs, comment vous portez-vous? Je vais commencer par l'immense Marex. Comment ça? Bah, très très bien. Il y a eu la petite pause pour faire monter la hype avant cette série de 4 jours, il reste, c'est ça, de Swiss Stage. Ouais. Il va y avoir que des matchs de fou avec l'enjeu et la pression qui monte de plus en plus à chaque fois. Avec, voilà, il faut des éliminés pour qu'il n'en reste plus que 8. Et on se demande un petit peu qui va sauter, qui va rester. Parce que les places sont... Il y a très peu de places et beaucoup de bonnes équipes encore. Les places sont chères, bien sûr. La domination asiatique pointe le bout de son nez, très tombé. Mais on est fort quand même. Enfin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je pense que c'est pas forcément aujourd'hui que... L'Occident a le plus d'espoir dans les matchs de la journée, mais par contre, on a un match que j'attends beaucoup. Je pense que Test DK. Calme, c'est demain. Le T1 G2, mais c'est forcément celui qu'on attend le plus. Mais le Test DK est aussi un très très bon match, donc curieux de voir comment ça va jouer, curieux de voir comment ça va jouer la méta aussi avec un petit break. Ça va être très très intéressant. Très bien, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment la vie vous traite-t-elle? Comment la faille vous traite-t-elle, Triton? Je vois que ça se bute au in-house un petit peu. Ouais, je regarde un peu les in-house. Je crois que j'ai pas lancé une game depuis 2-3 semaines. Ouh là 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 là. Attends, ça sent la merguez par ici. Non, mais j'ai pas envie en ce moment. C'est bizarre, mais je suis en chill. Normal, t'as eu le solo queue challenge où t'as full spam, full suivi des games. Là, il y a les Worlds et à côté de la solo queue, bah, un vieux reset, la classique. c'est has-been, tu vois, pour toi. Les gains de LP ont été fixes. C'est le moment de rechausser les crampons. Ça, j'avoue que c'est peut-être un bon timing. Ah, c'est un bon timing, Marex. Les crampons, non. Non, il n'y a pas de crampons sur ces superbes souliers. Bah, toujours zéro lose, unranked, du coup, ça va, tranquille. Et bah non, juste, ça suit les Worlds forts. Même là, les jours qui passaient, j'attendais qu'on soit aujourd'hui, parce que comme tu l'as dit, ça va vraiment vite s'enchaîner. Là, déjà, les 4 jours vont nous donner
tellement d'émotions, tellement de games, tellement de matière. Et après, les quarts arriveront très vite et s'enchaîneront eux aussi très rapidement. Donc ça va manger full League of Legends compétitif. Et je sais pas, je sens que ce qui arrive cette année pour cette compétition en Europe, il va y avoir un truc, il va y avoir des surprises. C'est sûr. Pas forcément. Ouais, bon, évidemment, on pense à G2, mais. G2 va gagner les Worlds. Mais non, mais pas du tout. Mais il va y avoir des trucs, c'est sûr. C'est les Worlds, de toute façon, donc il y en aura. Tu me disais quoi, Michente, pardon ? Le public demande l'heure du T1 G2 demain. Demain, c'est à 14h, le T1 G2, plein milieu d'après-midi. Donc, posez votre journée, trouvez un moyen, allez chercher un deuxième écran au spot informatique. Faites vos bails, hein. Vous avez 24 heures, tout pile, mesdames et messieurs. Chers amis, on va se remettre quand même en tête ce qui s'est passé dans la dernière journée des Worlds, même si même s'il y a beaucoup de monde qui préférerait oublier, n'est-ce pas, Tréton ? Bah après, la première game, elle était cool, hein. Franchement, les MAD ont fait la game, je crois, la plus rapide, en tout cas l'une des plus rapides, parce qu'ils ont fini en moins de 21 minutes contre les GAM. C'était archi convaincant. Ils avaient aussi eu accès à une draft de zinzin, puisque avoir Ezix, Eyone et Maokai, je pense que c'est quand même une petite folie. Ils ont très bien joué, ils sont très bien rentrés dans leur BO. On pensait que ça allait être simple. Et on était très très loin de bien penser, puisque les GAM derrière, dès la game 2, ont répondu. Et pour les Mad Lions, c'était aux abonnés absents. Ah, une autre équipe qui tombe sous le feu nourri du Vietnam, mon cher Barrex. Ouais, et puis même celle-là, ce qui est dur, c'est que bah là, les Mad, l'idée d'une map, on va dire, cette partie était clairement gagnable. Mais à partir de là, ça a commencé à vite s'écrouler, malheureusement, ce qui est dommage, parce que bon, en late game, ils avaient quand même du Rumble, Xayah Rakan et tout, on s'attendait quand même à ce qu'ils terminent la partie, mais bon, ce Yone était open en face, il y avait une excellente compo teamfight, et Wukong qu'on commence à voir de plus en plus, avec ce Kennen qui avait tout de même été joué par les GAM, et cette dernière game, bah, comment dire, Sad. Avec une compo topside de 100% Genji quand même, pour oui. Les GAM. Ouais, les GAM, je pense, étaient pas mal dans la méta. Alors bon, peut-être un petit peu moins, même Kalista qui est, je pense, des champions qu'on va avoir de plus en plus dans ces Worlds. Ils ont bien drafté, ils ont beaucoup mieux joué que les MAD. Mais attention, restez connectés, puisque les MAD Lions ont trouvé le secret pour battre l'Asie. C'est les seuls qui l'ont, d'après Lulia. Donc peut-être que l'année prochaine, les MAD gagnent les Worlds. Attends, il a vraiment dit ça ? Et il a dit, on a trouvé une manière de jouer différente. On a trouvé la différence entre l'Occident et les Asiatiques. On sait ce que c'est, on travaille dessus, on est les seuls à l'avoir trouvé, on va le faire. Est-ce que c'est les deux trucs qui sont juste devant les poignets ? Pour moi, c'est du copium, hein, mais. Bon, c'était une interview loser, tu vois. Le nombre de deux, c'est un membre très important, ça a cinq doigts. Je sais pas. Non, tu sais pas. Au niveau de ce Team Liquid contre Pain Gaming, bon. Sommes-nous surpris? Est-ce qu'on respecte finalement ce qu'on attendait? Je pense qu'on est plutôt ce côté-là quand même. Ouais, bah les Pain ont quand même bien résisté. Hein. On pourrait dire par exemple que Zerotic, voilà, il pourrait faire sa crête maintenant, ce serait pareil. Parce qu'en vrai. Non, parce que TL a de la chatte. Ils ont des tirages. Oui, mais quand tu vois à quel point ils étaient un peu dans le dur contre Pain Gaming, que ce soit la game 1 ou même celle-là qui était loin d'être free. Enfin, ça va être très dur pour Team Liquid, quoi qu'ils tirent derrière. Enfin, pour moi, dans les équipes encore en lice, c'est la plus faible dans ce qu'ils ont montré. Ils ont tiré Gamma. Mais je sais. Ils vont passer Gamma et après, ils vont tirer Fly Quest comme des fraudes. Et ce sera juste NA vs NA et on va tous avoir envie de se tuer. Et ça, c'est pas encore tiré. Après, je suis d'accord qu'ils ont énormément de chance. Mais déjà, contre Gamma, bah, faut qu'ils gagnent. C'est un match-up assez équilibré. Et puis derrière, on sait pas contre qui ils vont tomber. Ah, tu vois, tomber contre BLG. T'imagines les Gamma, run the Worlds, élimine une équipe européenne et élimine une équipe nord-américaine. Moi, je vois quelqu'un qui est bien favori. Liquid, c'est un peu matière. Bon, enfin, il est peut-être un peu plus fort, attendu plus fort sur le papier. Parce que là, on reste sur la dernière perf des MAD. Mais bon, les Team Liquid, c'est parce qu'ils ont joué contre Pain. Tu vois, s'ils avaient eu ce niveau-là, les Team Liquid contre GAM dans le dernier BO, franchement, pas sûr qu'ils gagnent. Ils ont struggle contre Pain. Enfin, contre Pain, bro. Mais notre joke. Contre Carioca et Dinkedo. Mais genre, struggle, vraiment. T'abuses. Bah, les deux games, ils sont pas en train de dominer. Hein. Non, mais c'est vrai que c'était 1-2-0. Non mais t'inquiète, Team Liquid, en vrai ça arrive fort. Ils ont été très bons contre la meilleure équipe tournoi. Mais on verra. Mais de toute façon, les NA ont un tirage. Enfin, les deux équipes NA ont un tirage, mais une chatte, c'est indécent. Genre. C'est sûr. Mais bon, on gagne pas un championnat du monde par la chance, parce que arriver en quart, c'est fin du spectacle normalement. Mais ça donne un peu plus de temps pour travailler. Il est vrai, c'est un élément extrêmement important de travailler sa méta, sa lecture de la méta. C'est un peu le sujet de cette réintroduction du Swiss Round après ces petites journées de break, parce que les équipes ont eu le temps de travailler, d'affiner un petit peu leur approche. Pour nous, c'est l'occasion aussi de dresser un bilan, et un bilan qui est orienté sur une différence est-ouest.
comme d'habitude, bien sûr, nous rêvons, nous autres en Occident, d'avoir un League of Legends aussi affiné que nos chers homologues de l'Asie, et de l'Asie au sens large, bien entendu. Qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent, et à quel point sont-elles différentes, ces approches de la méta? On n'a pas forcément les réponses, on a des pistes, cependant, ça va se confirmer aujourd'hui. Donc, alors, attention, à gauche, ça va être l'Asie, à droite, ça va être l'Occident. On sait que géographiquement, ce n'est pas forcément ça en mode Est-Ouest. Mais c'est OK, c'est tankable, Triton, c'est tankable. Oui, c'est compréhensible. Okay. Puis moi je le lis en alphabet. Le A est avant, donc c'est normal que la liste soit à gauche. Du coup, ça ne me choque pas du tout. C'est une logique implacable. Non, mais c'est surtout qu'en fait, toi, tu sais, avec tes lunettes et tout, tu as souvent beaucoup de tournois de poker qui ont lieu bah, notamment aux États-Unis. Du coup, forcément, tu te bases sur... Le globe vu de ce pays-là. Vu de la poker map, oui, absolument. Voilà. Je comprends. Et du coup, en Asie et en Occident, on est quand même très très fort sur Gnar. On a compris que le champion était excellentissime. Il n'y a pas trop de counters qui sont encore sortis. On ne voit pas forcément de Kayn en réponse. Irelia, c'est dur à aller chercher. Donc Gnar s'en sort extrêmement extrêmement bien. C'est aussi une très très bonne réponse à Renekton, par exemple, qui peut être souvent en blind pick et qui a un petit peu de mal, en vérité, dans ces Worlds. Alors, le bilan, effectivement, c'est celui-ci. Alors, on peut même le pousser un petit peu. La méta top est très rigide. Sur la méta de l'Est, beaucoup plus flexible pour l'Occident, avec une option Rumble qu'on envisage pas du tout. Ouais, bah c'est ça la différence majeure, parce que bon, regardez les win rates, vu qu'il n'y a pas énormément de games et que l'Occident est plus faible que l'Asie, bon, voilà, on voit quand même qu'il y a le Gnar en coin, mais c'est vrai que ne pas voir ce Rumble, c'est surprenant, surtout que, au-delà d'être un. En fait, ce qui est bien avec Rumble, c'est que déjà le champion est fort, en plus il est AP, et il n'est pas risqué par rapport aux autres AP, entre guillemets. En plus, il follow-up extrêmement bien avec bah, des combos notamment qu'on voit avec des picks qu'on voit plus du côté de l'Asie, c'est-à-dire le Nocturne et la Veille. Mm-hmm. Ça va très bien follow-up au niveau de ça. On sait qu'aussi, du côté de l'Asie, ça met directement la main sur des Yone, Smolder et tout. T'aimes bien avoir un Rumble avec ça. Le pick est vraiment... Enfin, il est ultra fiable, il est fort dans beaucoup de domaines, Rumble, donc ça te permet de build de très bonnes drafts, et c'est vrai que c'est surprenant de ne pas le voir du côté de l'Occident. Après, bon, si on regarde par exemple G2, il laisse un Rumble, mais il pique un Galio qui fonctionne très bien contre. Donc, il faut des réponses. On a donc des counters, on a plus de counters, on a une champion pool un peu plus fournie. J'ai deux du moins. Oui, ça c'est bien sûr. Et on est plutôt du côté Jax plutôt que du côté Renekton, affaire à suivre, évidemment, si on entame ce virage. La jungle, chers amis, la jungle, on a vu beaucoup de choses, quand même. Oui. Mais pour le coup, il y a quand même une vaille de chaque côté. Pas la même prio sur cette vaille. Il y a un ban rate qui est très élevé. Mais c'est le Maokai, en fait. C'est le Maokai qui n'y est pas chez nous. Clairement. Et moi, ce qui me fait rire, c'est ouais, de voir la trinité des champions à gauche avec tous les nerfs, tous les changements qu'il y a eu pour que ce ne soit pas le cas. Les voir encore tous les trois côte à côte, c'est assez dingue, je trouve. Ouais, c'est Juani, une option qu'on n'envisage pas trop non plus de notre côté. Non, et puis c'est Juani après aussi qui est probablement beaucoup draft avec Yone en particulier. Il faut quand même avoir le combo. Mais pas que, puisqu'ils sont capables de jouer avec Jax, etc. Ils sont capables de le faire avec d'autres choses. Du coup, en Occident, c'est clair qu'on a une méta différente. Je pense que Evern, pour le coup, c'est une très bonne idée. C'est une exclusivité FlyQuest. C'est une exclusivité d'Inspired, mais on sait tous que Yak peut le jouer. Et je pense que ça peut vraiment faire la différence dans certaines drafts contre l'Asie. Ça peut être très très fonctionnel. Maintenant, il faut voir comment ça va avancer. Wukong qui a un petit peu disparu depuis les play-in, mais qui, avec quelques bans jungle et tout, notamment du côté de l'Asie, peut être encore jouable. Ouais, revient. C'est quand même un champion extrêmement solide. La mid lane, on en a beaucoup parlé. Parce qu'il y a des Smolder, parce qu'il y a des Yone, parce qu'il y a... beaucoup de choses. C'est la Ahri qui nous intéresse ici particulièrement, plutôt l'amour qu'on peut lui porter avec ses nouveaux builds avant-gardistes. Comment on identifierait la différence mid lane entre nos régions? Bah, moi, je pense que c'est un peu dû à la priorité sur les picks jungle, hein, la Vi, le Nocturne, qui vont parfaitement avec la Ahri et qui lui permettent un petit peu d'exister, parce que j'ai l'impression que la Ahri, si tu la draftes pas dans un certain scénario de draft, juste comme ça à l'unité, c'est pas forcément la folie. C'est plutôt avec une Syndra que tu vas vouloir faire ça. On a tenté du côté de l'Occident, ça n'a pas marché. Après, forcément, le win rate est aussi un peu biaisé par le fait que nos équipes sont moins fortes que les équipes asiatiques. Et le Smolder, bon, il y a eu des tentatives, mais c'était un peu... On est à zéro quand même. Voilà, c'était un peu une tentative de copie de l'Asie. Le Smolder d'Humanoïde avait eu malheureusement 0 sur 20. Oui, celui de Frescovi également, qui était à 2 sur 20 à peu près. Et ça soulève une question, une remarque que vous avez certainement vu passer sur les différentes plateformes. Comment est notre Yone, pic majeur de la méta, bien sûr, 12 victoires, 3 défaites
actuellement avec une présence au-delà des 90%. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'il est piloté par certaines régions qui ont un win rate plus élevé, bien sûr, messieurs, on en conviendra, bien, il ne perd pas. Que ce soit pour l'Asie, les minor regions, comme on les appelle, donc c'est l'Asie aussi, mais par exemple le PSG avec ce Yone Electrocute de Maple. Mais lorsqu'il est joué par nous autres, chers occidentaux, eh bien déjà, il a 50% de win rate. Mais en plus de ça, les seules défaites de Yone ont été réalisées par des midlaners. Bah, y a G2, enfin, y a forcément Caps et Humanoid. Oui. Et Fresco, du coup. Et oui. Et oui. Et les trois seules défaites sont européennes sur Yone dans tout le championnat du monde. Et après, ce qui est aussi très symptomatique, mais pas que sur Yone, mais en règle générale de l'Europe et de l'Occident, c'est qu'on est ceux qui ont le plus de solo kills, parce qu'on a quand même 4. C'est vrai. Et pourtant, en termes de gold, on est ceux qui sont le moins devant à 15. C'est vrai aussi. Ce qui est quand même un petit peu bizarre, en vérité, parce que c'est deux stats qui ne vont pas du tout ensemble sur le papier, mais ça, c'est beaucoup comme ça en vérité. Un jeu un peu moins carré autour du Yone, du coup. Moins carré aussi, on peut également linker cela directement avec les champions joués en jungle par nos régions qu'on vient juste de voir. C'est Juani Maokai, Gauthier, évidemment, pour sublimer un Yone. Est-ce qu'on a la mauvaise approche sur le yo-yo, chers amis, ou c'est juste une question de win rate? On perd plus de matchs, notamment des matchs avec Yone, et c'est tout. Il n'y a pas de corrélation. Bah, en fait, ouais, y a peu de data, mais typiquement, si on regarde... En fait, il y a toujours une grande raison pour les défaites de notre Yone qui ne dépendent pas vraiment que du Yone et de la draft. Enfin, la game de Mad, ridicule. La game de G2, bah, elle était excellente. Ils étaient à deux doigts de battre chez eux. Lilia, est-ce que c'était le pic, tu vois? Bah, en fait, Lilia, c'est... En fait, tu ne peux pas tout avoir dans une draft. C'est vrai que les G2 avaient de très bons outils à côté. Et la Lilia n'avait pas trop marché. Et puis, surtout qu'en face, ça avait parfaitement joué par rapport à ça. Mais au moins, on voit que les G2 essayent d'imposer... imposer leur style, mais ouais, pour revenir sur le Yone, j'avais pas fini de citer la game du Manoïde où, voilà, est-ce que c'est vraiment représentatif de... Enfin, le Skarner Yone, il y avait pas grand-chose, mais bon, ils se sont perdus en draft, les Fnatic, ils ont essayé de vite s'adapter en BO1, et ça a pas fonctionné. Je pense qu'ils drafteront différemment durant leur prochain match, et joueront mieux les Fnatic. Cela étant dit, bonne nouvelle pour notre street cred, aujourd'hui on aura peut-être la première défaite de Yone de l'Est, éventuellement, vu les affiches. Les probabilités sont hautes. Entre TOS et D+, il y a moyen qu'il y ait un Yone qui perd. Et s'il y en a un qui perd, on a un peu moins l'air de clown. Donc on va regarder ce match avec beaucoup de passion. Bichente, Andale, allons-y. Oui, les ADC, pardon, on en était là. Merci beaucoup, la biche. Ici, bon, toujours le problème du Ziggs, le Ziggs qu'on nous laisse plus souvent. Kalista montante. Bon, Jhin Kai'Sa, on sait. Il y a un profil long range, j'ai un profil compo dive. Jhin Kai'Sa, il n'y a pas de souci, on comprend parfaitement. Wow. La Kalista montante jusqu'au bout, top prio. Oui, je pense que Kalista est maintenant la DC qui va prendre la priorité avant que les gens trouvent des counters, etc. Je pense vraiment que le champion est fort et puis il est jouable en duo avec énormément de champions, que ce soit en engage, que ce soit en range. En vérité, Kalista fonctionne très très bien. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Kalista, en tout cas pour les bons joueurs de Kalista. Tu penses à Nico, probablement. Je pense à Nico, par exemple, mais en vrai, il y en a plein. Même Renata, évidemment. Oui. Donc il y en a trop avec Kalista, des supports qui marchent bien. J'aurais tendance à penser que Kalista, pour les bons joueurs de Kalista, va vraiment monter en flèche. Kalista, toujours très 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 forte pour l'Asie, beaucoup moins pour l'Occident. On a beaucoup plus de mal avec le champion. Donc on va voir ce que ça va donner. Et le Ziggs aussi, qui marche pas très très bien non plus pour l'Asie, puisqu'il y a au moins deux défaites de Damwon dessus. Mm-hmm. Donc juste Ziggs, pour le moment, le champion est peut-être pas aussi fort que ce qu'on voulait au début des Worlds. On a vu l'approche composition anti-Ziggs de la part de LNG avec Kai'Sa, justement. Kai'Sa et Kalista, 100% de win rate entre les mains de ces teams. C'est une stat extrêmement impressionnante. On va enchaîner un petit peu, Marek, est-ce que tu peux conclure? Ouais, non, je dis juste ça va un petit peu de pair avec tous ces Yone qui sont pick, ces compos qui sont très agressifs par les choix en mid lane, et du coup ça se combine bien avec ça, et c'est fort un peu à tout moment de la partie, parce que même en lane, en général, les Kai'Sa, Kalista s'en sortent plutôt bien. Elle est bien avec les missiles, enfin, c'est très fort, quoi. Ouais. La Kalista, ce qu'elle bien, elle, avec son stuff. Le train de la hype de Rell, bien sûr, est beaucoup plus chaud vers l'Est. On est bien d'accord là-dessus. On n'est pas encore monté dans le train de Renata, également de notre côté. Et moi, j'ai une petite tech par rapport au support. Okay. Je pense qu'il suffit d'un ban Rell et toute la méta change. Parce que Leona, Alistar et surtout Alistar sont présents parce qu'il y a Rell. Si tu bannes juste Rell et que tu vas sur des ranges ou quoi, je pense qu'il y a tout qui pète. Donc je me demande quelle équipe va le faire en premier.
Je pense que T1 est capable de le faire et je pense que si tu sors Rell de la méta, tout est ouvert en support, donc ça peut être super intéressant. Affaire à suivre. En tout cas, on voulait s'intéresser justement à ces différences de méta parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on va faire un pas en avant vers la définition de celle-ci après les quelques jours off de travail qu'on a pu avoir de la part de nos équipes. Rentrons maintenant dans les matchs du jour. Bichente, je t'ai entendu. Mais je ne sais pas, mon cerveau a un filtre. Ah oui, Shadow of FlyQuest, pardon. Voilà, allons-y, bien sûr. Petit fact, les amis. Je vous avais fait le track record Amérique du Nord contre Chine. Comme vous pouvez le constater, ce n'était pas le pire, puisque dans l'histoire avec un grand, grand H, hein, l'histoire ligo-légendienne, il y avait 72-12, pardon. Et depuis le 2019, il y a 41-5 pour la Corée du Sud. Et la dernière game remportée, c'était ce TL contre T1 cette année, au MSI, dans ce best of five. Et ça avait mis fin à une série de 14 défaites. Donc ce que tu essayes de me dire, c'est malgré les maxeurs de LCS qui sont en train de dire qu'ils nous rattrapent, en une année, G2 a gagné. Ah non, parce qu'il y a Tess. Putain, c'est pas la LCK. Ils avaient 5 games contre l'Asie, mais c'est raté. C'est pas de chance. Ils gagnent contre la LPL et pas contre la LCK full. Mais on peut. Franchement, nos stats sont meilleurs. On peut 41-5, frérot. 41-5, 72-12. Alors, on avait vu que face à la Chine, c'était également compliqué. Est-ce que c'est plus compliqué contre la Corée du Sud? Les chiffres veulent nous dire que oui, mais vous, dans votre appréciation. En fait, j'ai l'impression que la LPL, il y a toujours. En fait, comme c'est PC à l'LPL, ils sont plus attaquables et ils ont des seeds 4-3 qui sont plus faibles, je trouve, en règle générale. Et du coup, je trouve que c'est plus facile d'attaquer de la LPL, typiquement du Weibo et tout, que d'attaquer des équipes de LCK qui sont beaucoup plus solides et rigoureuses dans leur playstyle. Et du coup, quand t'es en dessous, bah FF. Et notamment, bien sûr, l'équipe, seed numéro 1 de la LCK qui arrive en grande favorite. On va pas se mentir, mais... N'est-il pas Anguille sous Roche? C'est-à-dire, tu veux dire que Belgique pue, hein? Que t'essayes de nous envoyer sur Belgique qui pue en site 1 de la LPL? Ah non, non, il parle de HLE, là. Je parle de HLE. Bah, moi je pense que FlyQuest va pas être ridicule aujourd'hui. Je pense pas qu'ils vont se faire exterminer. Bah, l'histoire de l'Amérique du Nord en dehors des phases de groupe, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous en souvenez? On a parlé un petit peu, les demi-finales de l'Amérique du Nord se comptent sur les doigts d'une main de Tortue Ninja. Pour le coup, pas besoin de tous les doigts, les amis, parce qu'il faut remonter à 2018. 2018, sacré run, bien sûr. Nuage 9, ouais. Voilà, les plus grands représentants, enfin ceux qui ont été le plus loin dans tous les cas. En dehors de ça, il est vrai qu'on a une certaine habitude de malaxage du côté de l'Amérique du Nord. À 2013, le petit BO3 en quart, il met bien. Le petit BO3 en quart, absolument, il est délicieux. Et même le 2012, le Azubu Frost contre TSM avec la triche, la fameuse triche des Azubu Frost sur ce League of Legends en extérieur. Ouais, il a fallu remonter loin, les amis, mais du coup, en quart de finale, on les a pas souvent vus. On les a pas souvent vus performer, c'est surtout ça, mais c'est vrai que ce petit 3-0 sur Africa, si je me souviens bien, était vraiment stylé. Après, ils se sont heurtés à plus fort qu'eux, parce que c'était, je crois, Fnatic qui les avait Tej en demi à ce ou moment-là. Ou IG, je me souviens. De l'autre côté, c'était IG qui avait Tej, du coup, Fnatic était en dessous. Il me semble que c'était IG. Hein. T'as peut-être raison. Parce qu'il y a aussi le MSI et tout dans ces années-là. Donc, il y a aussi une belle run où ils sont allés en finale de MSI pour leur donner un truc au NL. Ouais, mais Worlds. Mais les Worlds, justement, ouais, les Worlds pour la NL, c'est compliqué. Bon, les amis, l'histoire, les chiffres, rien ne nous pousse vers les FlyQuest finalement. Mais les FlyQuest, c'est également pas seulement une équipe nord-américaine, c'est un mix de tout l'Occident pour vous octroyer une vision de méta différente. Et c'est ça qu'on aime bien chez les FlyQuest, c'est qu'ils sont différents, ils jouent leur propre League of Legends. Et ça, c'est une belle chose parce qu'on a tendance, en tant qu'équipe occidentale, à vouloir copier le style de nos grands frères pour finalement faire ce qu'ils font en moins bien. Mais là, les FlyQuest, ils ont leur propre cuisine. Ouais, c'est l'une des équipes qui a mieux fait cela, un peu avec G2, on pourrait dire aussi, avec la base de Galio, etc. Mais du coup, ouais, les FlyQuest, honnêtement, ça fonctionne. Ils tentent des choses, ils savent qu'à la régula, en essayant de s'adapter aux autres, ça ne va pas le faire. Du coup, eux, ils n'ont pas fait une Fnatic, ils jouent sur leur force. Soit ils prennent leur Ivern, ils tentent le Amumu. C'était bon, cette game-là Ivern était assez délicate, mais en dehors de ça, leur... Ça va, j'essaye de dire qu'il faut accélérer, pardon. Leur recette spéciale a fonctionné. Ils vont draft de la même manière ce soir avec d'autres champions. Mais en tout cas, on ne les imagine pas
essayer de partir sur des classiques Smolder et compagnie ou forcément draft du Nocturne Harry comme les autres, après pourquoi pas. C'est peut-être là qu'ils sont plus malins que les autres, justement, les FlyQuest. Bon, Ivern 100% Nurel, 100% de Banrite. On imagine à la venue de cette série contre les Hanwha Life Esports, la deuxième série de la journée. La première, on va en parler justement avant de lancer, bien sûr, le premier match entre les mains de Noah et de Shriek. Top Esports, c'est quand même un first time en dehors des groupes, hein, les amis. Hein, malgré le fait qu'on s'appelle Top, on s'appelle Esports, on n'a pas fait forcément grand-chose dans l'historique. Pourtant, on n'est pas passé très loin, mais 2022, c'était justement la dernière performance des Top Esports. Ça s'était terminé en autre boudin, parce qu'on avait rencontré les Terminators, justement, de cette phase de groupe. Un groupe où il y avait, bien sûr, des RX hein, pour les Top Esports. Il y avait également Rogue qui était passé. Et les Rogue étaient passés notamment grâce à cette défaite de Top Esports face au Vietnam. Et regardez les blazes, ouais. c'est pas des bouchers charcutiers. Hein. Non mais cette game, le fait qu'ils n'arrivent pas à finir un extrait. Oh, l'ulti Cartus qu'il a mis, désolé. Non mais bro, mais c'est vraiment c'est terrifiant ce qui leur est arrivé. Le base to base et tout, de toute façon ce board-là était absolument fou. Et le fait que Tess ait perdu contre les games, ça a enterré toutes leurs chances. C'était un petit peu terrible pour eux, surtout que c'était une équipe avec Knight et compagnie qui était archi hype. Hein. Voilà, on va couper le clip pour avancer, mais bien sûr les games ont remporté ce match. Ça a complètement truqué les dés dans ce groupe et ça a permis au Rock de passer devant les Top Esports et de mettre les Top Esports et donc voilà Knight, enfin cette belle équipe Knight Jackie Love de les faire passer juste à côté hein, tout simplement. C'est pour ça que Tencent a fait changer le format et tout. Probablement. Alors on va parler de quelques petits match-up, on va pas tous les voir parce qu'on a pas mal échangé. On va certainement devoir accélérer parce que je vais vous donner l'occasion de défendre vos pronostics. On a pas mal de joueurs qui se sont rencontrés en ligue chinoise hein, quand même du côté de cette série. Sekin Gen contre 369, donc on sait, il a été important aussi au Worlds 2022. Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce duel ? Bah, de très très grands joueurs, ils ont le backup de leur historique. Par contre, sur ces Worlds-là, on attend un peu plus de stabilité. Il y a eu quand même des glissades du côté de Kingen et 369. Ce n'était pas turbo clean comme certains top laners. Vous les voyez s'éviter ou s'affronter, tout simplement ? Là, ça dépend de ça. Non, pas que la décision leur appartienne. Je pense qu'il y aura du rumble et du sang, moi. J'espère, en tout cas. Ça dépend trop des swap lanes. Honnêtement, c'est impossible à dire, mais je vois 369 un peu plus fort. D'accord. Perso. Ok, très bien. Beau statement. Regardons maintenant le duel en botlane, hein, les deux extrémités de la carte, en quelque sorte. On va surtout parler de teamfight. J'imagine, si on min-max le tout, il faut savoir que Aiming et Jackie ont quand même joué l'un contre l'autre lorsque Aiming était en ligue chinoise. Et on a voulu revenir sur ce duel qui était largement favorable à Jackie Love. Hein. Aiming, ça n'a pas été fameux hein, son séjour en Chine. Non, mais deux très très bons ADC pour le coup de niveau mondial. Même si je trouve que Aiming, par rapport à Street Cred avec laquelle il est arrivé, n'a pas encore montré un niveau énorme, mais en même temps, il est un peu bridé par les pics. Voilà, il a joué 2x contre Gala et du coup, il ne pouvait pas faire grand chose. Nouvelle ambiance aujourd'hui ? Nouvelle ambiance, je suis sûr qu'il y a une nouvelle ambiance. Ouais. Ah, des promesses, ça j'aime beaucoup, bien sûr. Mon cher Bichente, on en est où ? Va falloir envoyer les pronos là. Hein. On peut faire ça. Bah vas-y, let's go. Hein. Les D+, quand même, qui arrivent par la grande porte, si j'ose dire, dans cette série, puisqu'ils en ont déjà disputé une. Une série où ils se sont fait, justement, l'Avax Max par des compositions anti-Ziggs. Donc toi, vous pensez qu'ils ont abandonné un petit peu le bateau Ziggs ? Pas forcément abandonné. Après, il y a plusieurs problèmes chez l'équipe. C'est au niveau du top side. C'est pas le top du top. Je trouve chez les D+, leurs carries sont quand même très solides. Donc, s'ils arrivent un peu à se remobiliser et fixent les erreurs avec leur partie un petit peu brouillon dans ces débuts de World, ça peut être une équipe qui evolve. Et là, avec les 3-4 jours qui sont passés pour cette équipe, je pense qu'ils pourraient surprendre aujourd'hui. Après, j'ai quand même mis Test parce que je l'ai trouvé plus convaincant. Et je pense qu'il va y avoir une petite jungle diff avec un Tien qui est très en forme. Très bien, bah observons les décisions de chaque... Oh, c'est un petit... Robalas, alors il y a que des 2-0 HLE et un petit 2-0 FlyQuest pour Robalas, mais c'est bien entendu très disputé pour ce Top Esports D+ qu'il y a avec un prono de plus pour Top Esports, si j'ai bien compté. Oui, avec tout heure, Top Esports passe devant, même sans... Non, 5-7, ouais. Il y a 5-7, ouais.
Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est logique que Tapusport soit un petit peu favori par rapport au World qu'ils font. Et des plus, il faut juste voir s'ils ont réglé leur problème de méta. Tout peut se passer dans ce match, de toute façon. Tout peut se passer, mesdames et messieurs. Eh bien écoutez, on a essayé de vous préparer au max. On va vous laisser entre les divines mains de Noah et de Shriek pour cette partie d'introduction. Deux séries qualificatives sur le point de démarrer. Et la première, c'est Top Esport contre D+K. Et c'est tout de suite. This next best of three is going to be one of the most important matches of my life. I put everything into preparing for this event. I feel like I played pretty poorly this game. I have no fear of making mistakes. I have no fear of disappointing. What the hell is happening? I just fear losing. And I will give it my all to try and win. 네, 저는 우승할 수 있다고 생각하고요. 우승할 생각이 없다고 생각하면서 임해봤자 좋을 게 하나도 없다고도 생각이 드네요. 항상 부럽게만 하면서 준비가 돼 있었다고 생각하고요. 그 기회를 꼭 만들고 싶습니다. This is Peak League of Legends, baby! I'm never going to stop trying to fight. No matter how difficult the game looks, I want people to watch my games to be excited. Because something great is going to happen. I hope you can all look forward to that. 당연히 뭐 8강을 못 올라갈 확률이 더 높아진 건 맞는데 저는 저희가 충분히 올라갈 수 있다고 믿고 있고요. 저희가 끝난 게 아니고 They moved to 2-0. 아직도 유리한 고지고 아직도 기회가 많이 남아 있다고 생각하니까 전혀 유측될 상황도 아니고 부정적으로도 생각할 상황이 아니라고 생각해서 긍정적으로 임할 것 같아요. I hope we can have a fantastic match together that is exciting for the fans so that we can both be remembered as great teams. Fighting! This is 정확한 비교가 될지 모르겠지만 제가 22년도 당시에 DRX가 정말 누구한테도 이길 수 있고 누구한테도 질 수 있는 팀이라는 평가를 받았었거든요. This year, no one was even paying attention to DRX. It's a roster of defying expectations. 그만큼 고점과 저점이 차이가 많이 난다는 건데 특정 궤도에 올라갔을 때는 그 고점이 터진다고 생각을 해요. 就我加入TOP之前，更专，其实也没有更专注于个人发挥，只是。 我觉得在团队里就给我更多指导方面的就是天和 Miko 吧，相比现在就对团队的专注就比以前高了很多吧。 저희 플러스 기아는 싸움을 정말 잘한다고 생각해요. 정말 싸움을 좋아하는 팀을 만나게 된다면 그 싸움에서 지지 않을 자신. 我只有一句话想说，碰到我们算你们倒霉。 제 가족분들 그리고 제 친구들 그리고 한국에 남아 있는 제 팬분들 모두 저한테 하나같이 가장 늦게 돌아와라라고 말해줬는데 그냥 그 꼭 지켜드리겠습니다. 야, 너 한 번은 아쉽잖아. 어? 어? 한번 우승해 보자. 가보자. 그래. 파이팅. 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 Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces championnats du monde de League of Legends, nouvelle journée de Swiss Stage, nouvelle journée de banger, de best of three, avec en ouverture, tandis qu'il rentre dans l'arène, Damwon contre TES. Oh, deux équipes extrêmement impressionnantes en 2-1 actuellement, une d'entre elles sera à Paris à la fin de cette journée, nous avons un roster incroyable et moi en plus nous avons Showmaker dans la game donc on va forcément être diverti. Qu'est-ce que tu penses de ces deux équipes? Est-ce que tu as une favorite? Parce que j'ai vu tes pronos mais... Et j'ai un favori, tu sais que je suis toujours... Voilà, je suis toujours pro LCK, je suis toujours biaisé LCK et au-delà de ça, alors je pense que TES a montré mieux que Damwon jusqu'à maintenant mais je pense que la dernière claque prise par Damwon leur ont permis pendant ces jours de pause de corriger le tir
et de s'adapter. Comme c'était dit en pré-show, hein, et ça a été très bien dit, je pense que on va probablement descendre du train Ziggs pour prendre un autre train côté Damwon. Avec plaisir, on sera satisfait si on peut avoir justement un peu plus d'adécaris sur la bot lane. Mais Ziggs, comme on a pu le voir dans ses main events, est l'un des champions les plus bannis avec Aurora, et aussi l'un des plus piques, évidemment, ce qui en fait un champion redoutable en phase de draft. Mais bon, on a vu au fil des années que certains worlds, la méta changeait pendant ces worlds. Justement. Oui, complètement. Elle évolue au fur et à mesure de... une stratégie qui domine, une équipe trouve un contre, puis cette nouvelle stratégie domine, puis quelqu'un trouve le contre du contre, puis le contre du contre du contre, et parfois même il y a un retour à la case départ parce que la stratégie de base est le contre du contre du contre du contre. Tu m'as suivi ? À la tête. Très mal à la tête. Il est trop tôt pour parler de ça. Mais oui, par contre, il y a un champion qui, lui, n'aura jamais de contre pendant tous ces worlds. J'ai l'impression que c'est bien Yone. Le champion a été permapic, permaban, et il a un winrate aberrant, si je ne me trompe pas, aux alentours de 80%. Alors que les champions contre Yone ont un winrate proche de 20%, tout simplement, que ce soit des smolders, que ce soit n'importe quoi d'ailleurs. Ça fait partie des OP de ces worlds, hein, qui commencent à rentrer dans les classements. Si on met Aurora un petit peu de côté, mais qui a été... plus ban que pique. Là où 18%. Yone, bizarrement, il y a toujours des non-ban de Yone avec des gens qui espèrent arriver avec une solution qui ne marche pas vraiment. Ah ouais, absolument pas, on a vu du smolder, mais 20% de winrate le smolder contre Yone. Et te voilà déjà déçu, Shriek. Oui, parce que là le blanc de Showmaker est retiré, mais moi j'appelle ça du respect. Et quand même un ban le blanc première rotation, c'est du respect sur le joueur qui est Showmaker, mais il y en a d'autres dans la game, il y en a d'autres, il y a Lucid, il y a Tiakilov, il y en a beaucoup, il y a que des très bons joueurs au final. Donc attention à la suite de cette draft, la Aurora dont on parlait a été lock, et tu vois ce Ziggs, va-t-il être ignoré ? Parce qu'il est open. Alors il est open, un Jax qui a pas du tout un bon win rate dans ces Worlds, après qui a pas été trop pratiqué non plus par les grosses équipes, sauf du côté de Bean peut-être. Bon, et le classique Skarner pour Lucid. Petite déception sur Lucid. J'étais ultra hype en rentrant dans ce tournoi sur ce jeune joueur. Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve qu'il n'est pas très bien rentré dans ce tournoi, en tout cas pas au niveau où je l'espérais. Il y a peut-être eu un peu de sur-hype. Le joueur est quand même super bon, mais il n'a pas aussi eu les champions qu'on espérait dans ses mains. Aussi, c'est une première expérience inter. Ouais, voilà, il faisait pas partie des joueurs qui ont pu se faire la main au MSI. Bah écoute, il y a encore 2 à 3 games aujourd'hui pour qu'il te montre et qu'il te contredise tout simplement. À voir si avec son Skarner il pourra nous faire une sacrée game pendant qu'on a récupéré Kassente et sûrement ce Nocturne. Oui, mais alors... Nocturne Aurora. Nocturne Aurora Kassente, je suis pas... Pas transcendé. Hein. Non, voilà. Xin, peut-être un Xin qui va être lock, ce serait... Est-ce que ce serait le premier des worlds? Mais Xin dans Jax. Je sais pas. Ah, c'était le premier des Worlds, hein. C'est bien ouais. Le premier, hein. Pas du Duxin depuis le début, et je me pose la question, pourquoi ? Parce qu'à une époque, on avait plus même l'habitude de voir des Jack Jungle en réponse à des Xin Jungle, donc ça m'étonne un petit peu, pas que le pick soit mauvais, mais. À 0% de pick rate jusqu'à présent. Oh, alors, hier, en banque de salle Coupe de France, ce Xin était présent. C'est sûr, mais. Voilà quoi. Bon, réel, hein, voilà. Réel. Il y a eu un prélock Syndra dans les mains de Showmaker, il y a que ça qui m'intéresse dorénavant. Mais cette réelle est validée. On a une composition côté D+, très solide, alors que TES, c'est... Bah, il faut un hard carry, hein. Il faut un hyper carry pour Jackilov. Hein. Bah, il en faut plus qu'un. Je pense qu'il n'y a que ça, là. Parce que tout le reste, c'est quand même beaucoup de setup pour Jackilov. Alors, Aurora, plus ou moins, peut tout faire. T'enlèves quoi ? T'enlèves Kai'Sa et Xayah du côté de D+. Même pas... La petite Kai'Sa, j'aimerais bien l'avoir sauté, tu vois. Kalista, par exemple, ça rentre pas ? Bah ouais, parce que ça doit être un DPS qui a des dégâts en pourcentage d'HP à mon avis. Ouais. Je pense qu'une Kai'Sa rentre très bien avec Xin Aurora déjà, et t'auras un support qui va sûrement match la REL. Pour moi, un petit ban Kai'Sa me paraît très cohérent. Après, peut-être qu'on en met juste un et c'est tout. Très bon ban de Poppy. Ceci étant dit, je pense qu'il y aurait parfaitement fit dans la compo TES. Surtout si on prend une Harimid pour Showmaker à voir, hein, parce qu'il y a encore Syndra, il y a encore Ryana, il y a beaucoup de champions. Mais une petite ban Kai'Sa pour enlever l'hyper carry dans les mains de Jackilov. Bah ouais, je suis là. Ou alors il le récupère, mais. Ouais, ou alors il le récupère. Ils peuvent encore faire une compo dive. Il y a tout ce qu'il faut autour. Moi, je serais pour la récupérer du côté de Damwon. Je pense que c'est une solution de facilité pour TES. Vraiment trop simple d'avoir cette Kai'Sa. Ah oui. Oui, puis en plus, Jackilov. Voilà. Donc, soit tu récupères cette Kai'Sa,
ou soit t'as une solution pour éviter que ce soit un problème du genre une botlane super agressive. Je suis super curieux de connaître l'ADC côté TES. Bah, ban de Kai'Sa. Ban de Kai'Sa, on ne veut pas prendre ce risque du côté de TES. Top Esport ne veut pas affronter cette Kai'Sa. Et maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer un autre hyper carry, parce que des plus en ont aussi besoin. Pas autant que Top Esport, mais ils en ont aussi besoin. Donc est-ce qu'on n'irait pas chercher? Sinon, c'est un Ezreal un peu longue distance. Oh, la Speak ADC. La speak ADC, on ouvre la carte à de l'agressivité comme une Kalista ou quoi pour Aiming. Oui, ou alors un Ez, tel que Aiming en a l'habitude. Ouais, ce serait vraiment pas ouf. Et j'aime bien ce last pick ADC, à voir si on n'a pas une petite dinguerie. Dans le temps, Aiming était un fou furieux de la Samira. Ouais, si j'y crois pas, hein, bien sûr. Mais... Non, mais je regarde si des trucs comme Séraphine ou quoi peuvent avoir lieu, tu vois, même si je n'espère pas. Mais dans la composition des plus, une Séraphine n'est pas mauvaise. Non, c'est pas mal. Hein. J'espère juste que j'ai tort et qu'on aura quelque chose de plus agressif. Mais là, il y a une hache qui vient d'être récupérée et ce n'est pas l'hyper carry auquel je pensais. Mais je suis pas un grand fan de la compo TES. Hein. T'en pourras te passer derrière. Ben non, exactement. Derrière, ça manque cruellement de dégâts. Alors de devant, il y a quand même quelques trucs. Hein. Flèche de cristal qui peut aider à l'engage. C'est une équipe tout de même qui est forte en réception, hein, avec un gros peeling sur Jackie Love. Est-ce que tu pars sur un gros Draven? Parce que Twitch est pas... Non. Ben en vrai, moi je trouve pas ça mauvais. Tout sauf ça. Il y a pas de quoi vraiment dive. C'est un casse-tête en face. Progresser, oui, mais... Et non, mais moi je trouve pas... Oui, ça oui, peu, oui, ce Draven, je le veux. Reviens sur Draven. Je crois pas du tout. Reviens sur Draven. Ou un Draven ou... Ben ouais, mais moi je pense que la compo d'Amon est bien dans la compo TES. J'aime mieux Smolder que Ziggs, parce que vraiment le KSNT qui aurait pu systémiser full MR et avoir le Jax, il faut juste le gérer un petit peu en side, mais tu vois, c'était pas trop un problème, ça aurait été terrifiant. Puisqu'on a tout de même, on a une très bonne range du côté de d'Amon, on a un petit split push, on a un bon fight. On a juste un petit manque de disengage. Alors... Et c'est aussi une compo qui en early game souffre. Voilà, en termes de early mid game, le temps que Jax et Orianna et Smolder scale et du dégât, les teamfights de mid game, c'est mou. C'est mou et faut faire attention aux escarmouches parce qu'il y a Braum, Xin en face. Si tu en gagnes un du côté de D+, c'est que tu as été beaucoup plus intelligent ou beaucoup plus mécanique. Mais il est certain que vraiment ce Xin, Braum vont poser problème et même cette hache va poser problème à D+ pendant une bonne partie du jeu, à voir quelles seront les solutions pour tanker ces 20 premières minutes pour D+, parce que s'ils arrivent à les tanker, c'est une victoire garantie. Ah oui, c'est free win. C'est free win à 20 minutes de jeu s'il y a moins de 3000 gold d'écart. Pour moi, il y avait des solutions alternatives à ce Smolder pour avoir peut-être quelque chose de plus efficace en early mid, avoir cette petite sécurité pour que l'early soit moins compliqué. J'ai vraiment l'impression qu'on a mis le curseur dans le scaling trop loin. Après, la question c'est est-ce que D+ peut récupérer un dragon avant que TES commence à les stack. Mais je vous le dis, 20 minutes de jeu pour TES, il faut qu'ils aient plus que 3000 gold d'avance. Alors. Car avec Aurora H, ce n'est pas suffisant sinon. Il y a plusieurs trucs qu'ils veulent pas faire en tout cas d'Amon. Déjà, jouer le 2v2 bot et se fight trop tôt dans la partie. Je pense que, alors 1v1 mid, non, 2v2 bot, non, 1v1 top, ça va. 1v1 jungle, 2v2, ouais, c'est compliqué de trouver des solutions pour des plus pour s'exprimer en early game. Mais il va falloir tanker avec Orianna, avec Smolder. Et après, quand tu regardes TES, sans Aurora et sans la flèche de cristal, ils peuvent que prendre des escarmouches et stacker les objectifs neutres, ce qui est déjà pas mal, tu vois. Mais... Avec Orianna phase rush dans une Aurora comète, en fait, je me demande où est-ce qu'ils gagnent vraiment dans l'early game, Medamwen. Top. Ce Jax, enfin KSNT, ça, contrairement à ce qu'on peut penser, ça scale. Hein. Ça scale, mais pas autant qu'un Jax. Non. Juste Jax Garner, je pense que ça restera plus fort. Mais je crois que KSNT qui est un peu flopesque en termes de stats dans ces Worlds. Ouais, je te dis ça tout de suite. Je me trompe pas, il était rentré dans les flops au moment où on avait jeté un coup d'œil. 0% winrate. Ouais, 4 picks, 0% winrate actuellement. Bon, et la petite pause de début de semaine. Après, voilà, quand le bonjour du studio berlinois. Bien. Aussi matériel, nous dit-on. Et KSNT, en plus, ça a été piqué par Bean. Donc, voilà, c'est un bon client pour la top lane. Oui. Mirwin et Oscar, un peu moins bon. Et Kingen, qui n'est pas non plus. C'est un bon, hein. Enfin, rien à dire sur Kingen. C'est pas non plus le,
Je pense que la comparaison Kingen et Bean, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas des clowns non plus qui ont joué les champions. Mais on est bien content. Moi, je pense que personne va se plaindre de ces stats de KSNT. Ouais, comme Jax, hein. Une seule victoire sur 8 games. Ouais. Ouais, c'est Meiko pour le problème technique. Je lui disais Meiko Jax. Ça me dit rien. La victoire, c'est il y en a une deuxième. My bad. Il y a eu Doran et Impact. Et Impact. Ok. Oui, Impact qui a bien spam son Jax. Tout à fait. Il y a eu Zeus, il y a eu Breathe. Mais il y a des flops pour l'instant dans ces worlds. Il y a des gros flops. Yone n'en est pas un. Rell non plus. Il y en a un des champions surprenants qui performe bien en top lane, c'est Gnar. Most pick, bon win rate. Brumble aussi après 14 nerfs, toujours au-dessus de 50%. Ça reste dans les bons blind pick. Hein, Gnar. Qui est assez autonome, qui met de la pression, l'aide. Maintenant, je trouve que le truc de Gnar, c'est qu'il peut gagner sa top lane, qu'il peut mettre des bons flancs, mais quand ton équipe est au fond, est-ce que tu peux compter sur un Gnar pour la tirer vers le haut? Je sais pas, tu vois. C'est dur. Quand le Gnar, il peut pas split, quand tu peux pas flank parce que t'as pas la vision, t'as pas la position. Et dans un jeu rapide comme ça, avec des équipes qui sont très agressives... T'as pas le temps de poser ton jeu, quoi. Ouais, et bon, ça demande aussi... pour teamfight, une préparation, une coordination, une gestion du méga qui est déjà extrêmement compliquée. Et quand il y a des équipes en face qui déclenchent très très vite et qui elles aussi ont conscience qu'il ne faut pas laisser ce Gnar manipuler sa barre de rage comme il veut, ça devient encore plus dur. Bah, sauras-tu justement, parlant de préparation de teamfight, quel champion mid lane qui a été pick 5 fois à 0% win rate et est souvent une réponse plutôt qu'un blind? À Gnar? Non, en mid lane. En mid lane, ouais. Syndra? Non, non. Mais elle a 0% win rate, c'est pas elle. Aussi, ouais. C'est pas elle. Un champion qui répond à d'autres champions qu'on a vu qui est un assassin. Ah, la Akali. Ouais. Bon, Akali. 5 ouais. Games, 0% win rate. Ah, il y a quelques joueurs qui sont arrivés avec des tentatives d'Akali comme Maple, mais bon. Après, c'est orienté sur les résultats. C'est-à-dire que si il y a eu full Akali de la part de Zeka. Il y en a une game de Zeka, mais après le reste, sur ces Maple, c'est Maple, Dean et Emo. Dean Cuedo et Emo. Enfin, merci, mais. Voilà. Il y a Zeka. Non, mais voilà les pilotes. Hein. Ah bah, les termes ont été lâchés. Mais oui, Zeka, c'était la game. Bah, ça conduit sans permis. Hein. Alors, pas Maple. Ce serait cruel de dire que Maple conduit sa Akali sans permis. C'est vrai qu'il est peut-être pas dans la meilleure équipe, mais le joueur en question avec son historique, oui, il est solide sur Akali. C'est même son meilleur champion. C'est qui ce clown? Arex. On est reparti dans la game, c'est bon. Plus de pause. Meiko a trouvé des solutions. Et le petit Smolder au top qui va swap comme prévu. Et forcément... Oh. Oh bah c'est... On sait maintenant, on commence à être habitué. Esquiver la lane de H avec un Smolder. C'est tellement bien pour Smolder ce genre de swap lane. Toi, je suis même surpris qu'on n'ait pas un peu plus appuyé sur le champion en ADC avec les swap lanes. Après, c'est lent, hein. C'est lent, Smolder. On a vu des Smolder à 225 stacks perdre en 25 minutes. Hein. Tout à fait. Je ne sais pas duquel tu parles. Est-ce que tu penses à une équipe européenne? Pas du tout. Ok. My bad. Pas du tout. Après, une très longue interview d'ailleurs de El Yoya qui revient... Moham niveau 1 qui va se faire salement dive sur la prochaine wave. Et c'est pas la TP de Kingen qui le sauvera. Parce que, alors c'est un Jax Counter-Strike, donc tu peux déjà faire des choses, contrairement à des TP Gnar vers la bot lane, qu'on a pu voir aussi. Oui, on a pu voir, et c'est quand c'est niveau 2, on y va tôt. Là la différence c'est que le Gnar avait TP très tard, oui. Là sans, Kingen sans il arrive. Méga, sans rien. Moham il va avoir sa monture qui va revenir, ça va être un dive normalement assez simple pour TES. Il y a beau avoir la Counter Strike. Ah, la transition niveau 2 de Moham qui arrive. On hésite, on met absolument tout sur Kingen. On va reprendre l'agression après et on y retourne. Il faut flash out très très vite. Ça va être trop tard. Kingen qui joue extrêmement bien le coup. Et des plus qui prend le premier sort et c'est pas fini. Allez, on va tout de même prendre le kill sur Moham. Mais Kingen aura réussi. Alors, c'est pas lui qui a pris le kill malheureusement. C'est parti sur Moham. Après, il se fait tout de même deny tout le farm. Toute l'XP, il va essayer d'y revenir, hein, quitte à se suicider. C'est pas mal. Il la veut, cette XP, Kingen. Ça va être compliqué, la Counter-Strike. Est-ce qu'il a le temps de la mettre? Il faut bien la jouer ce dive. Il est en 1 contre 3. La Counter-Strike qui part au bon moment. Oh là là, oh Meiko qui flash out à la dernière seconde. Il manque une auto-attaque. Jackie Love, est-ce qu'elle est suffisante? Oui, c'est bon. On aura deny l'XP, mais
qu'est-ce que c'était effrayant que ce dive. Oh là là. Ah, c'était compliqué, hein. C'était très très compliqué. La défense de Damwon était excellente, mais elle n'a pas suffi. Oh, on a eu la caméra pendant 3 minutes sur la botlane et on a été servi. Deux plates ont été récupérés, un kill sur Jackie Love. Ça se finit bien pour TES. Dernier coup de tour sur Tian. Ça se finit bien, c'était, on va dire, on peut le dire, propre de TES. C'est juste que D+ a super bien joué le coup. Pas eu beaucoup d'erreurs du côté de TES. Jax Counter-Strike, c'est vraiment, c'est comme Cassanté, hein. En défense de ce genre de dive, c'est très fort. Là, faut dire que la double Counter-Strike est très bonne. Et à peu de choses près, ça peut finir en désastre. Ouais, il y a quelques flashs qui sont passés dans l'opération. C'est l'auto, si c'était une auto qui partait, pas une salve, je pense qu'il survivait, mais la salve fait beaucoup plus de dégâts. Et c'est une petite déception pour D+, parce que le kill est parti sur Moham, évidemment. Ken a perdu tout l'XP de la wave. Alors oui, mais tu vois, quand on regarde le compteur de gold, ben c'est le même. Ah, c'est le même, parce que en effet, top lane, et pas grand monde pour récupérer les waves. Ouais, et puis pendant ce temps-là, il y a un Skarner qui continue de farm aussi. Donc finalement, on s'en sort pas si mal. Par contre, la Kingen, est-ce qu'il aurait pas fait l'erreur? Il y a le Jax qui arrive. Non, c'est bon. La vague de creep qui va pouvoir le sauver. Et la vague est désastreuse par contre. Il y a le Skarner à côté, Lucid qui power farm son Hearthsteam, c'est bien ça. Cuirassier, oui. Et il aura de l'impact ce Skarner vu le nombre de mêlées qu'il y a en face. Par contre, ce Gromp, est-ce qu'il peut le récupérer? Il n'y a pas de smite, il va le faire reset intelligent de la part de D+, mais ça va juste être récupéré gratuitement par Tian. Et justement, où est-ce qu'on en est? Bah voilà, hein. Tout le farm qui est perdu. Dur. Là, il peut freeze pendant une éternité. Alors, est-ce qu'il va vouloir... Bon, il y a au moins cette vague qui va y passer. Et du coup, on va renvoyer le Smolder et la Rel pour essayer de débloquer tout ça. On a passé peut-être le moment le plus dur où maintenant Smolder a suffisamment de wave clear pour être tranquille. Ouais. On envoie ce Smolder bot avec 50 CS à 5 minutes 45, ce qui est très très bon. Je suis curieux de voir 25 stacks, oui. C'est pas autant que prévu, mais... C'est pas si fou. Bah, il a pas pu stacker sur un joueur, hein. Ah, il a pas pu envoyer de Hatchoum. Showmaker qui a plus d'XP que Krim. Je ne sais pas ce qui s'est passé mid lane, mais c'est surprenant. On y va à 3. On sait qu'il n'y a pas de summoner. Ah, eh bien, on a focus à most personne, mais Meiko, il va y passer. Hein. Il n'y a pas de solution pour ce Braum. La dernière auto-aiming qui récupère le kill en plus. Mais Jackie Love avait encore son flash. Je pensais qu'il l'avait perdu dans l'équation juste avant, non, mais non. C'est tous ses autres collègues. Hein. C'est Tian, c'est 369, c'est Meiko qui l'avait utilisé. Tu sais que pour D+, actuellement la game elle est très bien. T'as un Smolder qui vient de récupérer un kill et qui continue de stack. T'as pas beaucoup de désavantages. La mid lane elle se passe très très bien pour Showmaker. Regardez, déjà 10 CS d'avance. Je me doutais que l'early game avec le swap lane il pouvait passer à travers. Ce qui m'inquiète le plus, c'est passer ce dragon, passer ces 3 Void Grubs, c'est à partir du repop du dragon dans les 5-10 prochaines minutes. Attends, mais... C'est là où je me dis que la compo va un peu souffrir de son manque de dégâts. Moi je suis extrêmement curieux de voir ce qui s'est passé mid lane en pur 1v1, parce que là on a un Showmaker qui met quasiment un level à Krim, plus de 15 CS d'avance, parce que là il y en a 20, mais il va en récupérer une partie. Krim sous tourelle, c'est une leçon actuellement ce qui se passe. Oui, puis c'est une leçon, quasiment un niveau d'avance aussi. Bah ouais, après il y a... Non, allez, un demi-niveau parce qu'il y a tout ça à récupérer. Mais je pense qu'il va passer niveau 7 crime, mais Showmaker est pas loin du niveau 8 déjà. Ouais. Donc c'est un level entier d'avance, quasiment 20 CS, en pur 1 contre 1 parce que le swap lane au tout début on a eu les supports pendant 30 secondes, mais c'est une leçon ce qu'il lui met. Reset gratuit. Après je me dis, peut-être parce que quand Tian lui il va opérer son dive sur la bot lane, peut-être que Krim il doit rester un peu plus vigilant parce qu'il y a un Lucide qui peut pop à ce moment là. On n'a pas eu le plus d'informations là-dessus. Et la road, bien sûr, va faire flash out Moham. C'est une hache assez agressive. On va mettre le proc du passif de Braum, ce sera pas suffisant. On va perfect cleanse, presque perfect cleanse pour aiming, mais domination tout de même de cette hache. Ouais, ça a coûté un heal pour pouvoir mettre la marque et pouvoir coller à la peau de aiming. Mais bon, voilà, il va revenir avec son phage. Il va passer niveau 8, il y a un demi-level d'avance pour Showmaker. C'est bien essayé. Mais bon, pour l'instant, toujours économiquement, Damwon qui est au corps à corps.
au niveau de la top lane, léger avantage de, d'XP pour 3-6-9, mais en termes de farm, ça se vaut complètement. Non, Damwon a plutôt bien réussi son early game. C'est fou, ce qu'on dirait pas quand tu commences par une double mort au bot. Et c'est ça qui est intéressant. Ça répond bien sur le reste de la carte. Les 20 CS aident en mid lane, hein, les 300 gold d'avance de Showmaker quasiment. Pendant que, attention, Lucid, il va rentrer en territoire dangereux s'il s'approche du bot side. On va aller voir s'il a quelque chose à faire sur la mid lane. Showmaker n'est pas à 100% HP. Ça pourrait être un flash out si on se ramène avec Tian et qu'on force l'ultimate d'Aurora sur la mid lane. Pendant qu'en top lane, Kingen se fait voler une plate sous ses yeux. Rien à faire. Il y a le Skarner tout de même qui va arriver dans le coin. Très très bien traqué par Jackie Love. Rien à faire pour ce Skarner, il peut pas vraiment avoir d'impact à part ce gank bot. C'est difficile face à H. Tout ce qu'il va vouloir faire, c'est... Oh, la row est magnifique. Showmaker ne peut rien faire. Forcé de flash out, Jackie Love juste est en train de mettre sa domination partout où il passe. Partout où il envoie des flèches. Ça fait mal, ça fait extrêmement mal ce flash en moins parce que maintenant une Aurora qui setup super bien les ganks, Showmaker n'aura pas la même pression mid. Pour un Xin c'est très facile et en vrai même pour les prochains Void Grabs dans une minute, je pense que Damwon a intérêt à absolument pas y aller. C'est pas grave, c'est pas comme si le jeu en side de TVS faisait extrêmement peur. Alors après bon, si Void Grubs quand tu dois faire des push quand t'as gagné un fight, c'est extrêmement fort hein, pour emboutir ne serait-ce que la mid lane. Ouais tout à fait, petit stacking de aiming, 73 74 dorénavant pour ce smolder qui est totalement free dans cette game, mais on le sent que ces 6 larves auront peut-être un impact sur le push de TES. Avec cette domination early, on peut rêver tout simplement parce qu'il n'y a pas de gold, mais partout où passe Jackie Love, c'est tout simplement devant. Ils vont récupérer la première tour, hein, je pense bien. Ils étaient en avant sur leur push. Oui, c'est ouais, gratuit. C'est ça. Et en plus, il va prendre les solo gold. Attention. Donc, par contre, 3-6-9, t'as pas le droit d'avancer. Ouais. Tu prendras ni l'XP. Par contre, est-ce qu'il y a une défense possible? Parce que là, il reste une plate et demie, on n'a pas les meilleurs pushers pour des plus. Le simple fait que Damwon soit à 4 sur ce bot side, c'est un abandon de Void Grubs, clair et net. Et c'est à peu près la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Ils essayent de temporiser cet early game, pour prendre le moins de gold possible, mais il y a une pause. C'est pas ce genre de temporisation qu'on voulait. Bah, moi je préfère ça, qu'ils viennent matcher les golds de la tour, qu'ils viennent setup peut-être le dragon quand bien même ils le défendraient pas, parce qu'ils en ont pris un donc ils sont pas pressés par le temps, mais je pense que ça sert à rien de tourner autour des Void Grubs en prenant des photos et en regardant les TES le faire. Avec une Orianna sans flash face à Aurora Xin, le teamfight aurait été extrêmement simple pour TES, donc on va juste cross intelligemment, et de toute façon ils acceptent avec cette composition d'avoir un léger retard. C'est vrai que si Grubs t'aimes vraiment pas, c'est le genre de phase. Enfin, c'est vraiment une solution simple pour terminer une game à 25 minutes. Si t'arrives à faire un bon push, un bon fight, les si Grubs c'est broken dans ces cas-là. Et on nous indique que la pause viendrait de Damwon cette fois-ci. Ah, pas Meiko. Généralement, un problème périphérique. Alors, grosso modo, il y a du lag sur le PC de Showmaker. Ah, c'est voilà. Pour ça qu'il a été forcé au flash. Il n'a pas vu la flèche arriver, il y avait 3 FPS sur son PC. J'ai vu des joueurs en LEC, sans le lag, ils se la prennent la flèche. Et oui, flash dedans, l'un ou l'autre. Oui, je m'en souviens de cette flèche flashée. Ouais. D'un certain joueur. mais non, évidemment, la flèche de Jackie était juste magnifique. Un sniper, tout simplement. C'était sur Xin, non? Non, c'était sur quoi le... Je sais plus, je me souviens de Niski aussi, sur sa dernière game de LEC, qui s'était pris un certain nombre de flèches dans la tronche. Ouais, c'est vrai, en fait, en LEC quoi. Ouais. Ça, c'est Niski. Il y en a beaucoup des on va dire des adorateurs des flèches de cristal quoi. Linsas, Niski. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Hein. La liste est longue. C'était vrai, c'était Lilia qui avait flashé dedans. En espérant repartir très vite, assez vite. On a une game qui va, à mon avis, commencer à s'accélérer d'ici 5-6 minutes hein, dès qu'on aura quelques teamfights autour des dragons, mais je me souviens plus où on est ces dragons. Ah, magnifique. Un dragon pour des plus, c'est tout ce qu'il voulait. Hein.
Je pense vraiment leur early, leur pari est plus ou moins réussi. Oui, ça peut on va dire lame 10 minutes hein. Ouais, moi je vois beaucoup d'avantages de CS en mid lane, ce qui est vraiment le point important pour D+, c'est de compenser ce retard d'early par un showmaker en forme avec 21 CS d'avance. Puis en wave clear, t'as Orianna Smolder, donc tu tiendras très longtemps. T'as un dragon qui te permet d'esquiver tout simplement la pression de la soul pendant aussi longtemps. Maintenant, la question c'est, est-ce que TES peut quand même accélérer et créer du jeu sans avoir la pression de la soul? Alors, pour trouver un engage et une escarmouche hors flèche de cristal, c'est pas si facile que ça. Ou ulti d'Aurora. Maintenant, leur phase de siège avec Braum, avec un peu de range, elle est pas si mal. Faudrait peut-être réussir à récupérer un bon héros de la faille pour venir forcer la mid lane, parce que la mid lane a encore 5 plaques. Il y a eu un très très gros boulot fait par Showmaker. Il risque pas de lâcher cette tour sans avoir une dinguerie autour de cette mid lane, comme tu l'as dit. Et ce dragon qui va être récupéré logiquement par TES. De toute façon, on a bien compris, des plus vont fuir le combat. Pourtant, on voit Lucid s'approcher un peu, mais il va très vite se raviser. Il a beau avoir son premier item, ce n'est pas un bon fight ici. Ah ouais, mais je pense que Damon est parfaitement conscient du temps à leur disposition, de tous les avantages qu'ils ont réussi à accumuler qui leur permettent vraiment de scale. Donc il n'y a aucune pression à avoir. Même TES, en termes de pression en side lane, s'ils voulaient trouver une autre solution pour avancer, même ça, c'est pas dingue parce qu'il y a peu de mobilité. En split push, le Jax arrivera forcément à tenir le Xante dans l'idée. Oh, la roue est loupée, l'ultimate par contre derrière de ce Braum. Est-ce qu'il peut créer du jeu? Il n'y a que deux CS, ils ont déjà disparu. Meiko essaye de trouver du boulot, mais en fait, juste cette arrow, bien sidestep par les deux joueurs de D+, ça a fait tout le travail sur ce bot side. Ils vont récupérer la tour. Ils vont tout de même. Alors, est-ce qu'il la récupère? Parce que là, il y a un Lucid qui est en train de créer du jeu. Il va prendre son proc de Airsteel et repartir. Pendant que sur le bot side, vu qu'on a eu l'information que ce Xin était dans la rivière, on hésite à le défendre. Cette tour, elle n'est pas encore tombée, Noah. Non, c'est une question de temps. Là, ce qu'il faudra jouer, ce sera le héros de la faille hein, pour TES. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'acharne pas plus. Hein. Oh, Heming. Voilà, je pense qu'il faut juste crash ça, oublier la prise de cette tour. Ils vont la défendre ou pas, parce qu'il y a un proc démolish. Attention tout de même, on accélère sur un Jackilov qui a son flash et une téléportation qui arrive. Ce n'est pas le bon play. Il y en a deux. Il faut reculer pour DD+. Il va falloir abandonner Moham. Et c'est pareil pour Lucid. Et encore pareil pour Emi. Il y a double TP derrière moi. Oh c'est la catastrophe. Et tout le monde se désolidarise. Showmaker est tout seul. Je sais pas ce qu'a fait Damwon. Ils ont craqué. Ils ont voulu jouer. Ils ont voulu répondre à un play de TES. Une catastrophe. On va perdre 4 joueurs, une tour. C'est vraiment, vraiment pas ce qu'on voulait pour des bus. Vraiment pas. Le coach les a regardés au début de la game, il fait No fighting. Et là, on en a eu un. Et ils ont fight. Et voilà. C'est même pas un fight, c'est juste une exécution. Les deux TP sont arrivés bien trop tard. Regardez ces double TP là, dans l'alcove. Mais on est loin. Ah, ils auraient jamais dû. Et il s'est manqué un peu de dégâts, mais à la limite, en étant full coordonné. Mais TES a trop bien réagi. Et franchement, ça, c'est le break qui peut leur permettre de snowball. Voilà, héros de la faille dans la foulée. Ah là, c'est une grosse erreur de D+ d'avoir voulu défendre cette T1. Ah, il fallait absolument pas jouer ça. C'est l'erreur qui leur fera probablement perdre la game. À moins de trouver un peu de scaling. De pouvoir ralentir le jeu, parce que là on vient de prendre 3000 gold d'avance. Un peu plus même. On vient de prendre un héros de la faille à 6 larves. Et en plus c'est une soul ex-tech pour TES. Ah, il se sent mis dans cette situation d'Amon avec cette compo et en l'appliquant pas proprement. Ah, là c'est une catastrophe tout simplement. Il faut défendre cette T1 mid le plus longtemps possible. Avec un smolder ça ne devrait pas être trop compliqué, mais il y a des arrows. Un ulti Aurora qui peut débarquer. C'est un héros de la faille, push mid, ils vont complètement ouvrir la carte. Puis
ça va tout compliquer pour Damwon, même au niveau de la défense de la jungle, au niveau de l'écart de ressources hein, qui va se créer au fur et à mesure. Voilà, tout le monde est groupé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour Damwon? On peut pas fight, on n'a pas de dégâts, on n'a pas de stuff, on n'a rien. On a absolument rien, on va essayer de défendre cette T1. Il faut garder le plus de points de vie. Sur cette tour, il y a un fight qui est initié par les D+. Est-ce que c'est réellement le bon? On est en train d'essayer d'exécuter Tian, mais il tient le choc et les dégâts sont monstrueux du côté de TES. Oh, ils se sont fait complètement laver et c'était un 4 contre 5. C'était un pur 4 contre 5. On voit toutes les ressources qui sont en train de tomber sur la T2 bot. Cette T1 mid va tomber aussi. Bah oui, ils se font complètement statuer. Y'a rien, c'est vide. Mais je ne comprends pas pourquoi ils essayent de prendre ce fight et ils perdent la tour en échange. Après. Là, ils peuvent plus faire grand-chose. C'est le fight d'avant. Parce que celui-là qui essaie de défendre la T1, qui essaie un 4 contre 5... Ouais, c'est eux qui sont à l'initiation. Ils se disent qu'ils peuvent prendre un catch ici, mais c'est un Xin. Son ultimate a temporisé énormément. Disons que maintenant, ils sont forcés de jouer, quand bien même ils ne le voudraient pas. Donc ils essayent de jouer. Ah, c'est une catastrophe. Parce qu'on perd la T1 là-dessus. On perd le dernier rempart de la défense. 5000 gold, je pense, en termes de différentiel. La seule bonne nouvelle, finalement, c'est ce dragon qui avait été pris, mais... Il était là juste pour temporiser. Ben ouais. Mais tu ne temporises pas face à 5000 gold d'avance. Pour l'instant, c'est trop compliqué. Il fallait quoi, 2000, 3000 max d'écart à 20 minutes. Et là, on s'envole tout simplement pour TES avec une hache qui a bien mangé à la cantine. Ouais. Avec un petit 2k gold. Bon, alors, on sait jamais, peut-être ce Smolder un jour deviendra grand. Peut-être, à voir si on y arrive, si on fait mieux que Fnatic. Après 140 stacks, 18 minutes de jeu, je suis sceptique. Je suis un peu sceptique, voilà. Laisse de l'espoir, laisse on de l'espoir. On a vu des Smolder mieux nourris. Ouais, je n'ai pas d'espoir pour l'instant, mais à tout moment, sous les T3, ils peuvent tanker, ils n'ont pas forcément... les outils pour aller siège, tu sais, une hache c'est l'orange. Bah ouais bien sûr, Aura c'est l'orange, tu sais. Et puis t'as pas du tout Xinbrome aussi pour se mettre devant, pour du pilier ou même un Xanté. Non, c'est pas comme si t'avais deux mastodontes de tankiness qui peuvent tanker tous les spells et pouvoir taper les T3 gratuitement. Ouais, avec des ultis de zoning et de temporisation de countering, c'est absolument fabuleux. Attention tout de même à ce fight, Kingen qui va y aller, il trouve Jakilov sur le côté, y'a pas de flash, on n'arrive pas à supprimer. Là des kites TES, il est en train de kite, il est monstrueux. Oh, et les D+ se font exécuter tout de même un kill récupéré par Aiming, attention à la suite. C'est pas si mal, Moham qui s'en est bien tiré, mais on va tout de même aller récupérer lui. Est-ce qu'on peut le terminer, cette ulti qui est très bien flash par Tian? C'est un fight correct pour les D+, mais ça reste quasiment 6000 gold d'avance. Ça me paraît extrêmement compliqué. Puis en plus, quand tu vois dans les couloirs tous les ultis d'Aiming qui finissent dans la porte de Meiko... C'est dommage, le catch sur Jakilov sans flash, il lui restait quoi, 15 secondes avant la récupération de son CD. Et on n'a pas réussi à link la shockwave de Showmaker. On va revoir s'il n'y avait pas une possibilité pour D+ d'aller chercher la décarie de TES. Avec l'ulti Smolder, pourquoi pas, mais tout a été très très bien tanké dans ce couloir. Pas de Shockwave. Cleanse instant. Si, elle est Shockwave, j'ai rien dit. Si, c'est Shockwave là, mais... Elle est là, mais il n'y a pas de dégâts. La boule arrive et tout part dans l'ulti de Meiko derrière. Ouais, parce que il y avait les dégâts de cette Shockwave, mais c'est pas suffisant. Il y a un item. Aura, hein, qui empêche d'avancer. C'était très bien link entre Kingen et Showmaker, mais c'est pas une Orianna Luden, c'est pas un Jax qui est bien dans sa game. Jakilov va s'en sortir alors qu'il n'avait pas de flash et je pense que c'était la meilleure occasion pour D+ de trouver ce shutdown. Je suis pas convaincu que Jakilov meure une fois dans cette game. Hein. Je pense que c'était la seule occasion de la tuer, cette hache. À moins qu'on arrive, tu sais, à 35 minutes, que la game est vraiment serrée et qu'il y ait une game, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est quasiment 6000 gold. Deux items Aurora, bientôt son troisième item, c'est une PT. Après, les systèmes ADC. Ouais, non, mais. J'abandonne. Je regardais ça avec interrogation. Ça me surprend. Bon, et ça commence à manger la jungle comme prévu, à détruire la vision, à forcer les demoines à se découvrir, justement pour les Bektachor. Il peut pas jouer. Et ça devrait être une mort. Il peut pas jouer. Mais joue, Lucide. Il ne pouvait pas bouger, Lucide, qui avait des mercures, mais ça ne suffisait pas. Puis là, ce Skarner qui vient de mourir, c'est le Nashor, c'est fini. Il y a du stack hein, sur ce cuirassier. Hein. Ah, il y en a plus ça, que. Ça balance. Hein. C'était qui Skarner en... Je crois que c'était en play-in où il y avait 27 stacks à la fin de la game. Ouais, c'était.
C'était soit Gam, soit... Ah, je sais plus. Mais il était à 27 stacks. Allez, on a plus. Côté PSG. Ah ouais ? Je pense que c'était... Junjia. Ah oui, t'as raison, c'est Junjia. Junjia. Junjia qui avait 27 stacks. Il y en a plus, il y en a plus du côté de Lucide, mais... C'est sa première game qui était désastreuse. Oh ouais, désastreuse. Terrible. Et les D+, qui vont se faire exécuter. Le flash out de Kingen n'emmènera nulle part. Je ne sais pas où il va. Il y a un Meiko qui va l'attendre devant ce portail. Aucune échappatoire. Kingen, aucune. Flash in. Aucun même. Aucun. C'est vrai, c'est vrai. C'était gratuit. C'était gratuit, t'as bien. Ah, il le tente. Il le tente. Ouais, ouais, ouais. Zut, zut, c'était un brome. Kingen qui perd son flash pour gagner du temps sur le Nashor. C'est la réflexion ici. Oui, non, mais pourquoi pas. De toute façon, on n'est plus à sa près niveau gold. Ah, écoute. Bah, il reste 2 minutes. Hein. Déjà, on va dire au revoir au T2. C'est pas si mal. Kingen, il gagne beaucoup de temps. Hein. C'est bien. 6000 gold de retard. 6000 gold de retard. Regardez, Ming, il est à 201 stacks. Pour le coup, il est pas loin. Il est pas loin. Il est en retard, mais il est pas loin. Après, quand tu regardes le reste de la team, ils ont même pas encore leur deuxième item. Mais c'est possible qu'à 25 dégâts, minutes de jeu, ce Smolder soit devant ses T4 en train d'essayer de wave-clear. Ouais. Au moins, on aura fait mieux que Fnatic. Enfin, des plus. Y'a pas deux. Deux items pour Showmaker. On s'approche du troisième pour Aiming. Ce Jax est bien en retard. Mais il y a une toute petite lueur d'espoir pour Depus. Un bon teamfight sous T3 qui donne un deuxième dragon, tu sais, qui permet de delay la game. Faut que Meiko oublie sa porte de la montagne, qu'il y ait une shockwave parfaite et qu'un ulti smolder et bien sûr un engage flashé de Moam. Arrête. Et un flanking de Kingen sous Counter-Strike, absolument pixellement parfait. Et Jackie Love qui n'arrêterait de jouer aussi. Meiko qui est hors de position ici, qui va peut-être se faire abandonner, mais quel bel ultimate pour disengage tout simplement pendant que Kingen perd le 1v1 contre la tour. Je pense qu'il s'est pris une arrow tout simplement. Allez, on va aller négocier le dragon sur les 50 dernières secondes de Baron Nashor. Puis au cas où, une petite Amextek. Histoire de rendre la vie de ce Jax encore plus compliquée. Mais ils sont vivants, avec une compo ultra scaling. Et ils ont leur T3. Donc oui, techniquement, c'est jouable. Techniquement... Faut donner de l'espoir, ça, c'est... les T3 ne sont pas les plus simples à prendre. C'est même vraiment les tours où tu vois beaucoup d'équipes s'écraser justement. Avec Brome Cassente comme on le disait. La difficulté est quand même amoindrie. Maintenant... C'était bien bêté. Hein. C'est bien bêté, maintenant il faut voir si on arrivera à setup ce dive. Est-ce qu'on n'irait pas attendre cette soul avant? Je pense que 5 minutes à rien faire pour TES, c'est cruel. Il y a le Nashor qui arrive dans 3 minutes. Ils ont pas forcément trop peur de ce scaling parce que tellement en retard les D+, ce serait 3 items plus, 3-4 items qui vraiment viendraient les terrifier. On a les stacks sur Aiming. Donc on va peut-être pouvoir commencer à faire un petit quelque chose. 3 items aussi. Je pense qu'on va quand même manquer de dégâts vu le retard. J'attends. Bon. J'attends de voir le prochain fight. Il y a une ward qui vient d'être posée qui n'a pas été repérée. Une très bonne ward TP flank pour Kingen quand on va s'attarder sur cette T2. Il y a un call qui est fait par D+. Il y a un call, il y a peut-être un fight sous cette T2 qui va avoir lieu. On a posé une ward super intéressante. Et il y a une arrow qui part, elle est loupée. Ça donne peut-être une raison de se battre à D+. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir tellement avancer sur cette T2? J'en suis pas convaincu. Ouais, je pense que Kingen peut tenir le push. À deux niveaux de retard tout de même, hein, Kingen. Par rapport à 3-6-9. Hein. Ouais, bah... Il y a tout de même... Non, il peut pas aller mettre un petit proc de Demolish. Et non, c'est défendu par Kingen pour le moment. C'est défendu. Je ne serais pas effrayé d'un Jax seulement Trinité à 25 minutes de jeu. Non. Mais 3-6-9 ne veut pas prendre ce risque de poser le Demolish. Non, bah ils vont jouer juste Baron dans une 30. Hein. Ah, ça va être un Baron. Ensuite, on va essayer de prendre une T3, sortir sur la stool. Exactement. Et D+ aura son créneau pour jouer. C'est-à-dire la stool. Avec 3 items à mon avis sur Showmaker, 2 items sur Kingen à ce moment-là et sur Lucide. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment une chance? Alors oui, mais il va falloir se battre pour la vision. On n'a pas fait chier avec les mauvais buissons.
ne pas trop se faire flank non plus, parce que si jamais par exemple 3-6-9 arrive à atteindre aiming, ça va être compliqué. Il faudrait une petite dinguerie. Après il y a une réelle, tu vois, l'équation, quand il y a une réelle dedans, on a vu des turns et des changements juste avec un joueur qui pilotait réelle et qui faisait un fight de fou, une engage magique tout simplement. On peut toujours espérer. Oh, je suis d'accord. Hein. Pour des plus. Vu leur compo, vraiment. En fait, il suffit de gagner un bon fight pour qu'ils soient de retour dans la game. C'est pas deux, hein. Je pense un seul bon fight. Et les Damwon peuvent espérer la gagner. Peut-être justement ici, il y a un catch sur 3-6-9. Ultimate est loupé. On est obligé de flash out. Oui, bien sûr, on a flash out. 3-6-9 va call une téléportation. C'est un bon fight, un bon play en side lane. C'est très très bien. L'interaction était bizarre, le flash. On l'a pas vu. Ouais, il avait avec pas l'animation. On a l'impression qu'il a slidé le. Ouais. Bizarre. Il s'est téléporté à travers le mur, mais non, c'était bien le flash de 3-6-9. Et c'est un peu une petite récompense pour des plus avant ce Nashor qui arrive dans 5 secondes. Est-ce qu'on l'abandonne ou pas? Est-ce qu'on tente de le fight? Est-ce qu'on a une vision? On a une bonne ward dessus. On n'a pas encore de pink posé par TES. C'est compliqué. Il faudrait le défendre sans trop prendre de risques. Il faudrait gagner du temps, mais le problème c'est ils vont juste synchro le Nash et le dragon. Parce que TES. Si c'est mal fait par TES et que t'arrives par je ne sais quel miracle à contester le smite. Oh la roue, elle part sur qui? Elle part sur Showmaker elle est magnifique. Oh, les arrows de Jackie Love dans cette game. Très très propre. Elles sont magnifiques et Showmaker ne peut plus teamfight carrément. Pendant 5 minutes face à Aurora, face à Xin. C'est le pire timing pour perdre son flash. C'est le pire timing, il y a les deux objectifs qui vont être là. C'est juste... un monstre, un sniper. Ah, quel travail fait par Jackie Love dans cette game. Une hache, mais d'une domination. Oh là là. Et avancer maintenant comme ça dans le brouillard de guerre. Noriana qui ne peut pas, ne serait-ce que s'approcher d'Aurora. On gagne du temps avec Kingen qui est en train de split. Ouais. On est obligé d'ulti Smolder car on n'a aucune information. Moham qui va poser une ping, qui va repérer Meiko, mais on le rappelle, ils sont dans le noir les D+, ils ne peuvent pas s'approcher. Et on est en train de juste attendre la soul. Alors maintenant la question c'est que va faire TES? Est-ce qu'on va give up un dragon pour prendre facilement le Nashor? Ou est-ce qu'on va contester là où seront les D+, parce qu'ils sont largement plus forts avec quasiment 8000 gold d'avance? Les D+, en tout cas, veulent se concentrer sur le dragon. Maintenant, il va falloir rejouer la prio mid, on a beaucoup de retard là-dessus. Ça va être contesté. Avec un Showmaker sans flash face à Aurora et une flèche de cristal de retour. Noah, je ne vois pas comment ça se finit bien pour des plus. Allez, ils vont juste prendre le premier, ils vont lui lancer dessus, hein, cette flèche. Premier qui va avancer. Showmaker ne peut pas se montrer. C'est leur violine. Il y a une bonne TP tout de même de Kingen qui peut trouver un flanc. Il n'est pas repéré. Joli ward de Meiko. On a toute l'information. Il faut le steal. Et c'est très bien joué. C'est volé par Lucid. On est en 54. Moham qui trouve une engage. Et Krim s'est totalement loupé sur le côté qui se fait littéralement exterminer. Les D+ ont peut-être trouvé une solution ici. Et oui. Kingen qui s'est temporisé. Il va se retrouver en deux contre un. On a chant dans la foulée, la temporisation. Les renforts sont juste derrière. La counter strike qui permet peut-être de s'en tirer. Le flash de Kingen. Il a tellement temporisé Kingen. Par contre, Lucid allait un petit peu loin. Le kill sera récupéré. Est-ce que c'est suffisant pour aller jouer un Baron Nashor pour TES? Il semblerait que oui. Il n'y a pas de front. Kingen n'a pas de téléportation. Lucid n'aurait pas dû être celui qui tombe ici. Parce que franchement, sans smite, maintenant pour TES, c'est gratuit. Alors certes, on a volé un dragon. Mais le résultat, c'est Baron Nashor pour TES. Et je ne vois pas aiming en 1 contre 4 le voler. Non. On a gagné un peu de temps pour des plus. Et on a vu qu'il y avait des solutions dans les fights. Mais ça reste très difficile. T'as été tendu ce fight. Hein. Jackie Love a perdu son flash. Krim a perdu son flash. Mais du côté de des plus, c'est Lucid, Kingen et Moham qui ont perdu leur summoner. Alors, regardez la temporisation de Kingen à gauche. Ah, il a fait ce qu'il a pu, hein, Kingen. Mais c'est Lucid qui suppresse son vis-à-vis pour aller smite. Tellement important. Le trou sur le côté. Ah, Krim, il a vraiment voulu jouer au héros. Il a temporisé, on peut le voir comme ça aussi. Mais. Ouais, mais temporisé pour qui? Et là, D+, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de prendre ce 4 contre 4? Parce que Kingen s'en sort, il a son flash. Et l'erreur, elle vient de Lucid. Hein. Il se perd, il affronte une hache. Ouais. Et une hache plus Brome, c'est permakiting. Une fois que t'es en range d'auto-attaque, tu meurs ou tu tues. Oh, il y a un coach, il a envie de mourir. Hein. Ah, il n'y en a pas qu'un, à mon avis. Mais non, Lucid, il doit pas faire ça. Hein. Ce Skarner a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal
à rentrer dans la game. Après, bon, on va lui pardonner parce qu'il a tout de même pris ce smite. Hein. Cette T2 sera abandonnée. Est-ce qu'on arrive à défendre l'intégrité des T3? Ah, ça va être le grand gumble de la part de D+. Est-ce qu'on peut défendre face à 6 larves qui donnent énormément de chair à canon sous les T3? Et pendant ce temps-là, 3-6-9 vient de mettre son proc démoli. C'est une T3 en moins pendant que Kingen va se montrer en sa lane et taper cette T2. Ça va accélérer pour TES maintenant qu'on sait Kingen est en side. Il n'y a pas de téléportation sur ce Jax. Allez, tout est parti dans la porte de Meiko une fois de plus et ça va avancer. Très bonne ulti, c'est peut-être le push de fin du côté de TES. On essaie de reculer Moham qui est prisonnier dans l'ulti. Tyran, on essaie de Tyran, revenir, Moham devrait tomber, Moham qui tank, c'est un miracle. Il n'y a pas de dégâts du côté des D+, on arrive tout de même à défendre. Il y a un flash out de 3-6-9, est-ce qu'on venira plus loin? Non, je ne pense pas. Kingen n'a pas de flash, c'est juste du bluff cette Counter-Strike. L'inhibiteur est tombé, il y en a un deuxième mid lane. C'est une bonne opération pour TES encore. Mais oui, mais on voit que c'est quand même de plus en plus dur. Hein. Il faut donner le coup fatal maintenant ou alors vraiment très prochainement. Ils vont essayer de finir sur la fin. 50 secondes encore de Baronach sur la téléportation de 3-6-9 qui est en train d'arriver. Kingen qui essaie de temporiser à Counter-Strike. 3-6-9 qui essaie de trouver un chemin jusqu'à Eming. Il y a plus de tourelle. On va essayer de contrecarrer tout ça. Mais ça sera pas suffisant. Kingen qui tombe. Eming qui se fait complètement focus. Et ce sera la première game pour TES. Une game bien menée. Un bon teamfight, leur ami. 3000 gold devant et c'était trop dur derrière pour D+, c'était beaucoup trop dur. Cette quadruple téléportation bot sous T1 aura tout simplement coûté la game. Et pour moi, ils perdent là-dessus. Hein. Ils perdent là-dessus. Je pense qu'ils perdent là-dessus. Ils se sont troués d'une force avec cette double TP avec dans l'alcove bien en retard. Ça aurait pu aller en la faveur des Damwon. Mais ça s'est totalement retourné contre eux. Il y avait 3-4 secondes de retard sur ces deux TP. Et derrière la game était trop simple et Jack il love le boulot avec ses flashs. C'est du world stage mais vraiment ils perdent et là-dessus et sur les flèches Jack il love. Mais c'est vrai qu'ils avaient, je trouve, plutôt bien temporisé, plutôt abandonné les bons combats. Et bah là, l'impatience, il suffisait d'un seul fight pour accélérer pour TES et vraiment la hache était magnifique. En tout cas, on va pouvoir aller débriefer de tout ça avec Marex, Treton et Twix. Messieurs, dites-nous tout. Merci beaucoup messieurs, donc déjà bon résumé, je pense on va surfer évidemment sur la balle que vous nous avez lancée. Un fight qui aurait défini finalement toute l'issue du match. Déjà la thématique, messieurs, alors deux équipes réputées pour leur combativité, évidemment. Alors les D+, combativité à domicile, dans ce championnat du monde, ils ont quand même fait preuve de pas mal de, comment dire, contrôle. De scaling, de... Scaling, oui. Ils veulent être Genji, mais ils ne sont pas Genji. Je pense que cette draft-là, Genji peut la faire fonctionner. Mais avoir du scaling à ce point-là sur absolument tous les rôles, c'est très compliqué parce qu'ils sont évidemment perdants en botlane. Ils sont évidemment perdants dans tous les 3v3 possibles et imaginables en mid-jungle sup et genre de très 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 loin par rapport à la draft. Quand dans les games, tu as vraiment interdiction de jouer. Tu vas devoir juste jouer les waves un petit peu. Ils ont pété un câble une fois, c'est ici. C'est ici. Où ils sont allés un petit peu loin et du coup, la game était perdue. Mais même sans ça, la vérité, c'est que de jouer les 20 premières minutes contre 6 grubs et avec le Jax qui est passé derrière parce qu'il y a le swap lane qui change aussi pas mal les choses, hein, le fait que Tess ait bien joué le dive bot lane et shut down ce Jax, ça met vraiment dans le mal d'entrée de jeu les Damwon. Et après, il court toujours après la montre, il faut attendre. Faut attendre une erreur de Tess. Faut que Tess se loupe dans son snowball, se loupe dans sa vision, perde un Asher par exemple, ce genre de choses. Et là, Damwon aurait eu la main, mais ça n'a jamais été le cas. Ouais, c'est ça en fait, les TES avec. Leur capacité d'exécution en early game sur les dives et tout, c'est quand même assez carré. C'est eux qui ont la main finalement sur la partie et qui décident s'ils la gagnent ou non. Ouais, juste trouver qu'en mid game, genre entre la 25 et la 30e minute, les deux équipes ça jouaient pas ultra bien. Genre pour la récupération de la soul, les TES jouaient un peu sur plusieurs tableaux, leur vision était pas super bien positionnée. Il y a eu une petite lueur d'espoir pour les Damwon. Lucide qui avait fait un très bon début de fight, c'est juste ici. Mais qui malheureusement se donne à la fin, ce qui permet un Nash au TES qui n'est pas vraiment ce que parlait Damwon. Et derrière, là c'était un timing où les TES, même s'ils ont une compo pas dingue pour Siege, avec tous les items qu'ils avaient, ils ont pu jouer sur deux lanes et un peu brute force la base des adversaires. Le Broom qui faisait quand même pas mal la diff. C'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier, le Broom reçoit parfaitement, mais en late game, quand il se met devant avec son shield pour des phases de Siege, il aide un petit peu. C'était le cas de Meiko sur... Le push final ici, franchement, là je trouve que les deux équipes ont plus ou moins exactement le même niveau
et répondent aux mêmes attentes que ce qu'on a vu plus tôt dans la compétition. Vraiment très solide, un cran au-dessus pour Top Esports. Et Damwon, potentiellement de bonnes idées en draft, du scaling, etc. Mais dans le jeu, toujours les mêmes approximations. Un peu, on l'a vu à la tête du coach, il en peut plus quoi. Les trois jours ont servi à rien quoi. C'est ça que je voyais quand il y avait les images du coach. Donc, si je résume, sans les erreurs, enfin, sans la bonne exécution du dive de TES et sans l'erreur des doubles téléportations de D+, D+ avait la draft qui gagnait irrémédiablement. En late game, oui, c'est sûr. Mais je trouve quand il y a des bonnes équipes, surtout de la LPL, quant à celle qui, la draft proactive, a tendance à l'emporter, à part Genji HLE, quoi. Je trouve. Moi, je le dis, on s'est un peu fait chier. Voilà, je le dis haut et fort. Ouais, un petit peu. Non, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Parce que là, on a un duel au sommet et on veut voir de l'action, de l'explosivité, mesdames et messieurs. C'est peut-être ce que la seconde partie va nous réserver. Partie qualificative pour les Top eSports. Une victoire ici et ça passe directement en quart de finale. Et ils seront en direct live de Paris, mesdames et messieurs. Déjà l'heure du second match. On revient tout de suite sur OTP. Red Bull donne des ailes. Déjà de retour, game numéro 2 de cette série qualificative pour les quarts de finale du championnat du monde entre Top Esports et D+K. Si vous venez de nous rejoindre, bah déjà bienvenue, bien sûr. On espère que la journée se passe bien. Vous avez loupé une game, mais est-ce que vous avez loupé la game? On en conviendra que non. Traitons, c'était l'échauffement dans cette série. Bah, c'était une composition scaling qui a été pris à la gorge extrêmement tôt, plutôt bien de la part de Tess qui... On fait une très bonne game, notamment Jackie Love sur sa hache qui a débloqué énormément de bonnes situations. On va avoir maintenant des Damwon qui vont changer probablement un petit peu de plan, qui vont prendre le blue side déjà. Ce qui devrait peut-être rebattre un petit peu les cartes. Absolument. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'attends une Damwon un petit peu plus proactif si possible. C'est pas trop leur style hein, dans ce championnat du monde, une équipe qui pourtant avait montré beaucoup d'agressivité. Dans les playoffs, dans les régionales, surtout, notamment dans cette série qui reste dans l'esprit de beaucoup. D+K contre T1 pour le seed numéro 3. C'était violent, c'était l'e-sport, traitons. Et dans ce championnat du monde, la lecture D+, elle est très scaling, elle est très Genji. Ben c'est ça. Sans pour autant la rigueur nécessaire pour accomplir ce genre de plan de jeu. Je pense que Genji et HLE sont les deux équipes qui sont peut-être les plus impressionnantes actuellement. Dans ces Worlds, et les deux jouent un petit peu ce style-là, et peut-être qu'ils emmènent aussi un peu avec eux la LCK, parce que forcément, si DK fait que de scrim contre eux et se fait arracher par ces compositions-là, t'as un petit peu envie de le tenter toi-même. En tout cas, ban Rennet qui rumble encore une fois, et ce ban de Gnar, donc il y a beaucoup de choses qui sont retirées de la top lane. Hein. C'est ouais, Gnar a l'air d'être le top tier of all time, peut-être même dans le même échelon, sur le même échelon pardon, que Renekton. Semblerait, ouais. Blind Peak. Dans tous les cas de figure, je suis étonné de le voir autant être envisagé, même dans les, même avec la présence du swap lane. C'est pas une situation c'est qui vrai. Me paraîtrait ouf pour un Gnar. Et la hache va être retirée. Beaucoup de problèmes, la hache, hein. Énormément de problèmes avec une ouverture en lapinou, très probablement pour les D+. Le Yone est passé, et du coup, on peut faire lapinou nocturne avec Harry en 3. Qui est pas mal, mais du coup tu laisses ouvert une Sejuani. C'est quoi le deuxième? Skarner. Qui peut aller peut-être très très bien avec ce Yone. Skarner big hein, contre Yone, hein. Les interactions favorables de Skarner sont nombreuses. Face au Yone, notamment le cancel du E. Très peu de champions peuvent ajouter à leur... Bah il y a que lui non? Bah ouais, suppression de toute façon, généralement il n'y a pas beaucoup de champions qui ont...
qui ont ça en stock. Hein. C'est Juani, voilà, qui fait plaisir. C'est Juani avec un topside violentissime, mesdames et messieurs. Alors là, vaut mieux pas les croiser, les trois qu'il y a sur le topside des plus K. Avec la stage, ils sont sublimes, sublimes. Bah déjà, il y a beaucoup plus de proactivité dans cette draft de Dame One. Oh, le casse. Ouais, un casse santé et un swap, hein, supplément fromage, je pense, dans cette game, traitons. Très probablement. Et casse santé qui pourrait être un des champions qui tank un petit peu ce topside extrêmement offensif. Maintenant, il va falloir du dégât du côté top esport sur la botlane. Allez, le Ziggs, ça dégage. Pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'investir un ban Smolder côté T+, parce que c'est le Smolder qu'on voit contre Yone, mais la Aurora a directement son flex brisé par la draft de Cassanté. Non, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un ban de Smolder. Loin de là, faudrait essayer de pré-snipe le champion qui va jouer Jackie Love, mais c'est pas si simple. Ouais. Xayah serait pas mal, hein. Stephen sans Xayah Rakan, test ils sont bien. Ouais, le Xakan est très big, t'as raison. Hein. Kai'Sa est pas infâme. Avec un ban Poppy offert en plus de ça. Tu reopen en Rakan ici en 4 pour les top e-sports et t'es au max. Hein. Mais c'est totalement ça. Hein. Ça va être Rakan d'un côté et Leona de l'autre, très probablement. Ou Rel, non. Rel open quand même. Hein. Rel open, prêt. Mais Rel open contre Lapinus, Karner, Cassanté. Hein. Ah, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire d'un côté comme de l'autre. Attention, parce que aussi pour la draft de DK, s'ils ont accès à Kalista Renata, bah Riban la Renata, j'ai peur que ce soit Tess plutôt qu'il le joue. Ah, Kalista ou Rakan, hein, je suis plutôt d'accord avec toi là. Voir Xayah, je sais pas, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses open. Et Jhin, je pense que ça pue un peu pour Tess, ça manque de damage en fait. Ok, oui. Le Rakan, parce que la Xayah sera jamais drafté par D+. Rel en premier. Rel avec quoi on le découvrira. Bah, DK eux-mêmes peuvent Xayah Rakan, hein, franchement. C'est possible, après peut-être qu'ils ont peur de se faire un petit peu atomiser en phase de lane par un Varus, une Miss Fortune plus tard. Peut-être qu'ils ont d'autres idées en tête. Leona. J'ai entendu Xayah Rakan, Leona. Pas de Xayah Rakan. Leona quoi? Leona Jhin? Kalista. Leona Kalista. Oh, MF? Mais c'est vrai, MF, Aurora, Rel, c'est un banger pour Jackie Love, là. Ouais, non, il y a Yone. Non, c'est relou, quand même. Un petit peu relou. Elle est si facile que ça à jouer, cette Miss Fortune. Il y a beaucoup pas de tanks. Vraiment de... Il y a des tanks, mais il n'y a pas de cancel. Vraiment pas, pour le coup. Elle peut canaliser hein, quand même cette Miss Fortune. Mmh. Oh. Intéressant, beaucoup de CC sur les 4 pics devant. Ça envoie, hein. je suis assez convaincu par cette Miss Fortune. Et la Kalista. Non, ce serait étonnant. Ezreal. Je sais pas, le problème de Kalista, c'est qu'il faut vraiment qu'il joue très très bien sa lane et qu'il passe devant rapidement. J'ai peur qu'il y ait un manque de dégâts plus tard pour les tests. Et bah c'est parti mon traiton. Il l'a validé, Jackie Love, cette Kalista. 9 victoires, 1 défaite hein, quand même pour le champion. Ah, le champion est broken. Champion broken en ce moment. Ah, je pense que. Ouais. Je pense que ATM dans ces worlds, enfin pour moi, Kalista va vraiment être très 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 forte. De par la pression que ça a en early game, le niveau 6 avec ton support, ce que ça permet de faire pour Meko, c'est exceptionnel. Je pense vraiment que c'est le pic en ADC. Maintenant, est-ce que dans cette draft, tu vas avoir assez de patates pour tuer Ayone, et Sejuani, et Jax, et Leona Seule défaite de Kalista dans son championnat du monde. C'est quoi, c'est l'ANA? Non. C'est Noah? Non. C'est pas? Non. C'est pas honte? Non. Bah, je sais pas. Bah, t'as fait la moitié, donc je te laisse un peu. Défaite de Kalista. Non, regarde pas le chat, tricheur, bah, enfin. T'es 10 ou pas? Bah, j'ai dit que c'était Soupa. Bah non, t'as dit non. Bah oui, j'ai dit non, mais regarde pas le chat quand même. Je sais pas qu'il y a de avec Kalista. Allez, le temps qu'on se prépare, bien sûr, à rentrer dans cette game. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Paye, ça perd une game. Misez, non, misez vos croquettes. Et le chat l'a pas, apparemment. Vous êtes gaze à la maison. Ah, un gamme. Non.
Nous trois, j'en ai aucune idée. Ah bah t'es pas loin, Tréton. Il y a bientôt plus d'équipes dans ce championnat du monde. Bah, Genji, HLE. Tu vois, maintenant tu en as pas. Ah non, non, bah non. Allez, je te laisse jusqu'à une minute. Bah quoi, il y a Weibo, mais je pense pas. Non. Mais bon, je les ai toutes faites. PSG, non. Non. Bah, je les ai littéralement toutes faites. Non, tu ne les as littéralement pas toutes faites. Bah, tu m'as dit HLE, Genji, T1. Non. 20 secondes. Damwon, non. 20 secondes. Test, non. Non. Donc c'est pas LPL, c'est pas LCK. Tu m'as dit non à toutes les européennes. Ouais. FlyQuest, non. TL, non. Game PSG. Pain. Oui, ouais, bravo, félicitations. On parle bien du Titan, absolument. Attention, fetch tech ici de Meiko. Le fetch tech, ça flash. Ouais, il est stun mid-air, mais ça passe très bien. Pas de souci pour Meiko. Absence de flash, malgré tout, qu'il va falloir assumer. Et a priori, Tréton. Attends, je retiens mon souffle. Pas de swap lane. Pas de swap lane. Pas de swap lane. En même temps, les deux lanes sont très très fortes. C'est possible hein, que Ming et Moam se débrouillent bien en phase de lane. Je peux comprendre qu'ils tentent en tout cas de le faire. Et ça va être très très intéressant à suivre cette interaction entre Miss Fortune, Leona et Rael Kalista avec une Rael qui commence sans flash et qui du coup pourrait être mise en difficulté dans les premiers niveaux. Peut-être focusable. Peut-être focusable. Allez, début de laning phase. Avec un Jax Angle qui devrait être beaucoup plus intéressant. En conséquence, premières autos sur la wave en faveur des D+ qu'il y a, donc transition niveau 2 a priori de leur côté. Le plan de bossage peut être appliqué. Quoique, ça dispute, un creep d'avance. Ah, c'est pour eux. Ouais, c'est pour Damwon. Il va falloir respecter du côté de Meiko et Jakulov, se laisser un petit peu push. Et deux junglers devraient se diriger vers le bot side. Oui. Aïe. Waouh. Aïe. Niveau 1 contre niveau 2 quand même, on n'a pas été très respectueux, mais c'est la norme chez les Yonais. On veut maximiser le second souffle. Allons-y pour la régène. Et donc là, petit stacking crash sur cette wave canon. Et on en fait quoi? Est-ce qu'on envisage petit invade avec la priomite, c'est dur? Est-ce qu'on envisage le dive? Encore une fois, c'est dur. Ça rien du tout, hein. Peut-être un recul pour Miss Fortune, mais même ça, je pense que non. Ça un trade peut-être, mais attention à pas les trois. Oh, le flip. Tourelle du côté de Mohan qui pourrait juste donner un premier stand bien trop gratuit au Top Esport. Grosse erreur. Dommage au niveau de ce First Blood, il aurait pu tomber entre les mains de Jackie Love qui avait l'extirpation. Mais un tout petit tick d'Ignite est venu conférer le kill. Catastrophe. À Meiko, Kingen qui a un timing gratos et qui va voir de quel bois crème se chauffe. On avait pré-stack un Q3. Il y a potentiellement le létal. Oui, Showmaker, il y croit. L'exécution est là pour le midlaner des D+ qu'il y a. Ah, superbe roaming de Kingen sur un excellent timing. Il vient sur la midlane, il surprend complètement crème qui ne s'y attendait pas, qui voyait pas du tout un angle de gank à ce niveau-là. 369 peut-être un petit peu lent sur le ping de. La com, ouais. Du mist, du Jax, ce genre de choses. Étonnant qu'il soit pas attendu. Kingen qui a finement attendu le animation lock de Aurora lorsqu'elle pose son E, il me semble. Ah, bien joué. Finement vu que Showmaker également prépare sa tornade. Ah, c'était vraiment carré. C'est un kill qui est précieux. Des summoners qui tombent pour le mage. Et un reset quasi banger de l'extrême pour Showmaker. Juste dommage, ce n'était pas un first blood puisque la botlane DK a troll un peu plus tôt. Ah ouais, le coup du flip, là, le coup de la crêpe de Rael qui est tricky à gérer. Bon, attention, midlane, c'est un 3 contre 2 potentiel, il n'y a pas de flash sur crème, on n'arrive pas à connecter la tornade et du coup, on s'en sortira facilement pour le midlaner de test. Et non. Ouais, de jungler, on est en sentinelle. Évidemment, Lucide a beaucoup plus envie de jouer autour de ces deux mêlées. Là, on est en full cover. Ce Yone est très important dans la draft. Mm-hmm. Il faut le mettre dans les conditions. Oh, Kingen sur 369, un trade peut-être un petit peu all-in sur le cas santé. Le stun connect et on se respecte juste. On veut surtout crash la wave du côté de Kingen. Ouais, Kingen qui, s'il se maintient sur les waves, aura l'avantage d'XP. Mais là, il y a un jungler topside, une wave un petit peu overextend, ça sent pas extrêmement bon pour le top laner des plus qu'il y a.
ce trade. On voit que les top esports peuvent jouer de plus en plus agressivement sur cette bot lane. Il y a une petite différence de stuff qui est sympathique. Le slow qu'on va avoir sur l'exécution du caster, Meiko, la converse. Ouais, le bluff, il est obligé. T'es obligé de respecter. Ah, très très bien joué, Meiko. Et très bon flash de Aiming, hein. Il est obligé de le faire, comme tu l'as dit. La botlane est en difficulté maintenant. Est-ce qu'on swap pour les Damwon pour essayer d'éviter un petit peu ce match-up? J'ai l'impression que la Miss Fortune repart topside pour jouer les Grubs. Et on va peut-être envoyer le Jax au charbon sur la botlane. Bonne chance à lui. TP up, hein, cela dit, donc on pourra participer à l'effort de guerre. Ça va être matché sans aucun doute pardon, par 3-6-9. C'est big. Joué. Ça, c'est big. Très, 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 très big. Ça, c'est les Grubs, hein, quasiment. Surtout qu'il freeze la wave en plus, donc Showmaker est trop heureux. Ça, no cap, c'est les Grubs. Ce petit cancel. Il y a aussi un gros, gros retard de la botlane de Top Esport qui a mis beaucoup de temps à base. Alors, c'est un Grubs. Est-ce que c'est plus? Ah, peut-être pas, effectivement. Aurora est effrayante, Kalista aussi. Les barres d'expérience ne devraient pas offrir de transition niveau 6 surprenante. Peut-être Aiming, cela dit. Peut-être Aiming. Et oui, Aiming. Non, il n'a pas encore eu son niveau 6 à son superbe engage. Un Yone qui risque de se faire one tap, mais Showmaker tank un petit peu. Le dernier souffle, c'est superbement comboté. Il se repositionne, mais Tian l'a accroché. Les gros coups de pince. Exécution au rocher désormais, la machine à reset Lapinou se met en place, mais les barres de points de vie ne suivent pas, on peut pas aller plus loin. Aiming qui essaye de faire la différence, mais il se fait directement calmer, on réengage du côté de Mohamed maintenant sur Tien qui va tomber, on essaye de pile un maximum du côté de Lucide, mais il y a eu accès à Aiming dans la backline, Krem qui est juste à l'auto-attaque, qui n'a plus de mana, qui force tout de même le flash de la Sejuani. Et qui ressort gagnant un peu de ce Capharnaüm. Probablement les top e-sports parce que 2 kills sur Aurora, ça va se sentir. À confirmer. Ça remet un petit peu dans la game Aiming avec sa Miss Fortune. Il récupère un petit peu de ressources, ça lui fait du bien. Très très bon début de fight de Showmaker qui prend tout le focus mais qui se repositionne parfaitement et surtout qui arrive à attraper Jackie Love qui n'a pas trop bougé dans ce fight, qui a pas flash out. Ouais. Il y avait l'air d'avoir une opportunité de flash. La vision sur le buisson banane hein, qui a été très 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 importante. Pas évident à identifier avec ce POV, mais la pink qu'on voit dans ce buisson, elle a fait la diff. Aurora aussi, les dégâts de crème étaient assez incroyables, il n'a pas été trop touché, il a pu mettre tous ses spells. Déjà une game assez mouvementée, 4 kills partout en 8 minutes. Déjà 3 fois meilleure que la précédente. T'as deux compositions envie de jouer, donc c'est cool à suivre. Showmaker, un joli cancel ici, le chunk va être conséquent. L'action qui se porte plutôt vers le topside désormais. Les dragons mis vraiment en réserve pour le moment dans ce match. Le site qui est présent, Tian pourrait se faire surprendre, c'est un petit peu deep. Du côté des tests d'aller fight aussi loin. Oh, c'est très... Ok. Du coup, il l'a vu Je pense que oui. J'imagine que quand t'es dans le mur, bon, tu es un petit peu omniscient. Un peu à la Kane, quelque sorte. Kane, ça trade de dur, mais entre les deux joueurs, il n'y a pas de différence qui s'est créée. Loin de là, on est tout à fait even. Il y a un Jax qui pourrait être terrifiant dans la suite de la game en termes de scaling. Attention, Showmaker, ne pas se faire attraper, il a encore une tornade, il est complètement safe. Petit coup de rocher quand même. Attention, ouais, ça peut aller très très vite. Krem qui a un flash qui va certainement devoir l'utiliser en réaction. On a un Q3 de stack et on n'y croit pas finalement. Ouais, Krem joue très très safe. Il y a Tian dans le coin, ça peut être dangereux pour Showmaker. Ouais, Chocho qui essaye de maximiser la range, mais quelques petits loupés. Ça veut se battre au top, hein. Ça prend la prio dans le buisson du côté de Moham, mais quand il vient de passer niveau 6, ça a envie de prendre un 2v2 maintenant parce que Jackie Love, incroyable, il turn directement, il se met de Miss Fortune, est très très bon, Moham est en contact, Jackie Love a plus trop de solutions, heureusement Sarel le pile parfaitement. Quel superbe travail de Meiko, mais le résultat est là hein, malgré tout. La prochaine wave qui va être rasée. Et surtout Moham, sniper de l'extrême. J'ai presque cru au follow-up de l'éruption solaire.
qu'il avait un peu prémédité sa transition niveau 6, le support des D+. Ouais, je dirais bien 3-6-9 qui va passer à l'attaque ici. Oh, il y a un bel angle d'ultimate, ça ira pas au bout. Ah, ça flash la Chine, W. 3-6-9, il va essayer de prendre le solo kill est récupéré très facilement face au Jax. Après une téléportation, un premier item acheté du côté de 3-6-9, il avait le spike pour venir à 20 Kingen qui a joué un petit peu naïvement. Un carton rouge, ça, normalement, sur les règles de la top lane. Grosse erreur. Solo kill qui veut dire beaucoup, je pense, dans la game, hein, sincèrement. On offre beaucoup de ressources à 369 et on a déjà parlé de cette tankiness inquiétante chez les top e-sports. Et nous voici avec un Stremont. Attention, Crème qui s'avance un petit peu, qui zone. Il joue bien le coup, là Léona qui a envie de se battre, moi-même qui est au contact, on va directement chez Jackie Love, il n'a plus de summoner, c'est vrai que Jackie Love ne peut pas bouger, l'ultimate de Showmaker en Link est absolument parfait. Normalement c'est très très difficile pour les tests de jouer malgré un très très bel ultimate de Tian, il n'y a plus de patates, il n'y a plus de dégâts. Il y a 3 Void Grubs partout. Pas de larve du néant dans cette game. Et Jackie Love effectivement qui se fait totalement allumer. Grâce, finalement c'est les... On se fait payer pour la très très bonne agression sur le top side. Totalement. Moi-même qui est en train de se rattraper, hein, parce que sa première mort était vraiment catastrophique. Mais là il se rattrape petit à petit. Finito Kingen là, il ne peut même plus s'approcher de ce K-61. Pauvre Jax. La Kalista aussi, son futur me semble compliqué. Comme prévu, aiming n'est pas... pas tant dérangé que... Est-ce qu'une Miss Fortune peut vraiment se faire one shot par Aurora? Oui, je pense. Vu la gueule du champ. Après, avec la BT et tout, en mode tanky, il joue cleanse. Je crois qu'il joue cleanse. Hein. Oh, Showmaker. Ouais, il joue cleanse, effectivement. Showmaker, situation très compliquée. C'est quasiment pas possible d'outplay. Le buffer n'est pas parti. Showmaker se fera récupérer sous tourelle sans aucune forme de backup. Belle action des top e-sports. Ah, très très belle accélération. Faut voir maintenant sur la carte ce que peuvent faire les Damwon. Est-ce qu'on peut push quelque part? Est-ce qu'on peut créer un petit peu de jeu? Allez, prendre une plaque sur la mid lane, pourquoi pas. Le Jax qui peut mettre la Wake sous tourelle. Allez, et les Damwon qui veulent même se battre. Mais Tian est très tanky, mais Ko aussi, ça me semble. Showmaker a une TP. C'est pour ça qu'on veut miser là-dessus. Je suis étonné de la purge en réalité. Tiens, un peu a posteriori, là, je suis un peu étonné de la purge de aiming. Qu'est-ce que tu purges dans cette game? Pas grand chose, hein. Parce que même si tu purges le Q Drain, bah, il va falloir flasher le combo. Curieux, je trouve ça assez curieux. Pas forcément la réponse, par contre, les Damwon sont. Oh Mohamed, ça va être compliqué ce PC qui va prendre beaucoup de dégâts d'entrée. Heureusement, c'est une Léona. Ouais, on trouve pas l'opportunité de proc l'aftershock si le voici finalement. On est accroché, l'ordre de monde qui est lâché, le bait est total. Magnifique Moham, quel acteur. Mais bon, sur la parole d'Assez Joniel, pour sortir ça va être compliqué. Très bon flash out de Lucide qui a encore son ultimate, qui veut peut-être punir un Jackie Love qui va passer avec du coup Jackie Love qui a encore sa clé, il va pas l'utiliser, quoique il a peut-être pas. Parce qu'il a mis beaucoup de temps à react et c'est un kill supplémentaire pour Aiming. Et on veut pas partir les mains vides, Tian qui se chauffe un petit peu, il tombe sur le backup de Kinan, sur son propre backup, il a un énorme rocher, ne l'oublions pas. Mais Aiming se régale et les D+ se frottent les mains tout de même avec toutes ces interactions favorables. La Miss Fortune a énormément d'avance maintenant, on va voir si 3-6-9 va faire la différence ou non. Il va être quand même très tanky, il y a beaucoup d'AD en face, il va pouvoir bien s'itémiser pour résister un maximum de temps. Ouais, l'anticrit gotesque dans cette game. 3-6-9 qui peut nous plier un classique, je suis bien d'accord. Bon, voyons un Moab, peu Moham. Hein. Ouais, en parlant de classique, pas mal son turn. Hein. Ouais, franchement. Hein. Mais ça fait quand même 2 turns sur un peu la même action. Des D+, il y a le turn ici, il y a le turn de Lucide qui est extra large lui aussi. Hein. Regardez ça. Hop là, communication, Tokiwoki. Delta Alpha Fox déclencher l'offensive. Ah, il a pas ça. Et Jackie Love en triple dessert, c'est fini. Hein. Il n'avait pas encore récupéré sa clan, c'est pas trop de solution pour lui. Lucide qui est content de son play avec sa Sejuani. Et les Damwon qui se sentent déjà mieux dans cette game que dans la précédente, qui ont les capacités de jouer. Mais attention, attention, le sourire pourrait très vite s'effacer quand ils vont voir le K-Santé débarquer en teamfight. Il y a moyen de.
moyen de hurler à la top diff dans quelques instants. Scaling wise, en termes de scaling, tu penches de quel côté? C'est dur à dire franchement. Parce que c'est une game qui peut aller loin, il y a zéro dragon à 15 minutes. Il y a un fight hero de la faille qui va s'entamer avec Trustuff qui est présent. Et là il y a un top laner. Oh, le smite qui fait trop peur, le smite est bon, mais Mohamed Asmodi son commit, on essaie de venir du côté de Showmaker qui s'est directement contrôlé, il ne peut pas jouer tout simplement. Lucid est bloqué dans la mêlée. Kingen qui essaie de rentrer en 1 contre 5, qui gagne un petit peu de temps tout de même avec son Jax. On est complètement fou ici, ça va être clean up par 3-6-9 ou Jackie Love. Oh là là, on s'est planté au niveau de la réinitiation de Tian. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. En revanche, pas de héros de la faille parce qu'il est là, invoqué à l'instant par Showmaker qui enclenche sur le front avec une Counter-Strike qui ne va pas connecter sur les bons joueurs mais va forcer encore une fois des summoners à Jackie Love. Ouais, Mink qui s'avance un petit peu, on prend la T1. Chargé ! Il veut aller rotate bot, rotate top. Un virage compliqué. Il n'y a jamais le temps. Ce virage ne passe pas. Ce virage ne passe pas. Enfin, vers le haut, ça passe pas en tout cas. Okay. Juste une rotation. Un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas grand chose à faire sur top side. C'est Kingen qui va plutôt prendre les ressources. Et en fait, la faille qui vient s'offrir la crème. 25 gold. Ah, c'est dur d'avoir des dégâts pour les DK. Surtout que leur Jax a mis beaucoup de temps à arriver. Il avait Trinité, j'imagine, à la base. Mais le smite est excellent. C'est récupéré par Chocho qui vient ulti derrière. Il se repositionne. Pas passer loin de la correctionnelle, hein, Showmaker. En fait, de Kingen n'était vraiment pas mauvaise. Et du coup, pour parler du scaling, oh, attends, on va peut-être parler plutôt du top side puisque Krem va prendre la tourelle, mais maintenant, faut réussir à sortir. Surtout qu'il y a le backup de 369. Et 369, vous l'avez compris, il est vraiment pas là pour rigoler. On voit Tian, on voit Meiko sur le flanc droit. Attention à l'onde de choc, il faut l'esquiver celle-ci. Elle connecte, mais ça va, on est suffisamment loin. Et donc, scaling. Et donc toujours pas scaling parce que Moham il est en train de jouer, il va se faire récupérer par un Skarner. Est-ce qu'il peut s'en sortir avec Salona? Il est très gentil à l'arrivée aussi de Lucid. Il y a Miss Fortune qui est présente mais qui a pas encore d'ultimate. Et juste avec Leona, on l'abandonne pour les Damoines. Balance la sauce, Moham. Et donc, le scaling. Oui, le scaling. Bah, premier dragon des plus déjà, faut le noter. C'est vrai que c'est pas mal. C'est très dur à dire parce que même si c'est très tanky test, je trouve. Enfin, je pense que Aurora et Kalista vont manquer de patates. Okay. Je pense qu'en mid-game test c'est vraiment bien, mais si tu vas en giga late, je pense que Jax... Yone Jax... Ah ouais, Yone Jax, fin de buzz, et même Miss Fortune, quelque part outscale quand même Kalista, je pense. Encore que, ça, on pourrait limite débattre. On pourrait débattre, mais Jackie Love va avoir besoin de beaucoup de uptime. Ce qui est pas garanti vu les squads. En tout cas, personnellement je serais ADC, je serais pas ravi de jouer contre Jax, Yone, Sejuani, Leona. Moi non plus. Mais ce n'est pas mon rôle, peut-être qu'il y en a qui adorent ça. Faudrait m'expliquer pourquoi en revanche, parce que moi ça me paraît être tellement oppressant, c'est de l'apnée quoi. Ah, si tu joues Vayne, peut-être que t'aimes bien. Hein. Ah oui, j'avoue. Et encore, tu dois... Et encore, ouais, faut être chaud. Tu dois vraiment être pixel parfait. Après les tests en mid-game sont vraiment plus forts par contre. Parce qu'à deux items, leur composition est bien débile. Le stat check est effrayant. Est-ce que tu as vu les dégâts de aiming sur son ultimate dans ce fight Herald? Bah c'était pas insane, après ils sont tous sortis aussi de la zone, mais j'avoue que j'étais un peu déçu. Il y avait de quoi. Maintenant, le build pass est bon je pense, hein. Dominique 2 clairement recommandé. Le spike 3 objets de aiming peut ne pas être ridicule sincèrement. Ça se barre un petit peu, pas sûr que Yone gagne. Pas, hein. Il a deux items hein, le Boug, hein. Il a vraiment deux objets complétés. Oh, et Lucid aussi dans la river qui est en train de se faire un petit peu attraper. Showmaker forcé d'ulti out face à ce colosse, ce cas santé. Comme tu l'avais dit, ce solo kill en side, il fout vraiment la merde. Ah ouais, parce que c'était un solo kill dans des bonnes conditions de wave en plus. Il n'y a plus de retour en arrière. Sachant que le Skarner Ito va aussi nous faire un rendu 1. Ok, oui. Rendu 1 sur 369 qui va arriver aussi ultérieurement. Parce que là, il s'est vraiment optimisé spécialement pour lane contre Yone. Ce qui est très bien vu. C'est vrai que le côté full AD fait peut-être pencher la balance pour Tess. Hein. Bah ouais. Hein. Très bon Jax. Ah, Jax en vrai, very, very, very late, ouais. Même en slide et tout, il va être très embêtant à gérer au bout d'un moment.
Yone n'est pas full AD aussi théoriquement. Je pense que c'est un peu forcé quand même de parler de dégâts hybrides sur Yone. Bon, malgré tout, si on perd les carry côté Tess, terminer le travail, c'est pas une mince affaire. Krem va avoir beaucoup d'importance. Faut qu'il fasse une belle game d'Aurora. Et les Tess qui ont clear toute la vision autour du Baron Nashor, ce qui est terrifiant pour les Damwon évidemment qui jouent contre une Kalista. On sait très bien que ça peut aller très très vite sur objectif. C'est vraiment très oppressant, Tian. C'est Pryo sur Pryo, vision sur vision, deny sur deny. Bien leur mid-game test. Hein. Voilà, regardez finalement, on ne voit pas la rivière chez D+K. On ne voit littéralement pas la rivière. Et pour moi, Mfessek, tous les buissons sont vraiment terrifiants. C'est une Lona qui a très très peu de backup. Lui, il n'a pas un ultimate Kalista pour le sortir de mauvaise situation. C'est compliqué à manœuvrer. Hein. Faut vraiment évoluer en tandem maintenant pour les D+. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer. Deux items également pour Showmaker, mais ce Stride Breaker, je pense, va pas trop influencer le match-up. Hein. Ne va même pas du tout influencer le match-up. Oh, le rendu nettoie. Tant qu'ils qu'ils ont. Je suis étonné qu'ils nous fassent un. J'imagine Jack Show. Oh, le cancel, c'est pas trop lourd. Ouais, c'est pas mal. Ça force le flash d'une rail. C'est toujours. Toujours très très bon, ça, pour. Pour Damwon, c'est à quel point un flash de rel peut être clutch dans une game. Le fait check ça. Oh non, c'est bon, on a des spectres, on a 3, 6, 9 qui arrivent dans le dos pour libérer la position. Et quand il arrive, tout le monde s'écarte. Ce dragon, il nous intéresse. Est-ce que Jack a deux items? Il est short. Pas du tout. Hein. Ah, il est vraiment très short pour les deux items. Et du coup, ce dragon, il est entamé par les tests. Ça va être très très difficile de contester. Showmaker qui step in, prend un petit peu la vision. L'offre à Lucide, c'est trop compliqué à manœuvrer. Est-ce qu'on peut accrocher maintenant avec Diane? Est-ce qu'on peut avoir des FPS? Merci beaucoup, Lucide. Lucide qui va se faire grab une fois, qui va se faire grab deux fois, qui ne peut pas jouer au jeu, qui va quand même lâcher la sauce. La contourstade de Kingen, il n'a pas été en plein milieu de la mêlée. Que s'est-il passé chez les D+K qui ont décidé de réorienter le focus sur Jackilov? Mais il est peut-être déjà trop tard. On va soulever Jackilov et encore, on a un petit peu de mal à finir le travail. Ça passera pas pour Showmaker, ça passera pas pour Kingen, mais Aiming qui va s'offrir une petite assiette de scorpion double kill pour les D+K, mais une action profitable pour les Top Esports. Atienne qui se rendait pas compte qu'il y avait encore une misfortune dans ce buisson. Juste une petite auto-attaque et on récupère un kill. La MF va bientôt être sur ses 3 items. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, Kingen? Bah, il a un petit peu hésité parce qu'il voulait d'abord il voulait sur la Kalista, mais la flash out. Il sait pas trop s'il flash in direct ou s'il va dans la mêlée. Et ce petit temps d'hésitation fait très très mal parce que la position est pas si mal. On va quand même très loin. Très très loin pour une Sejuani côté Tess. On utilise aussi beaucoup de ressources. Là, Kingen, il peut avoir Jackie Love, mais du coup, il hésite un petit peu, donc il go pas. Et on met beaucoup de temps à aller chercher Jackie Love. Il a bien tenu, hein. Mais on peut le voir, niveau expérience de teamfight. Oh, Aiming, bien joué, putain. Un petit 4 sur 10, ouais, Aiming pour le coup. Repositionnement de fou furieux. Et Etienne, il a juste pas l'info, il était tellement pas focus là-dessus, il savait pas qu'il y avait une misfortune ici. Attention, par contre, en live directement, le City se fait catch. Ah. Juste devant le Baron Nashor, ça peut être une catastrophe, c'est bon. Il s'en sort, Aiming a lieu par contre, et ça, c'est terrifiant pour Tess. Bah, c'est terrifiant que ça, puisqu'on est en train de pull le Baron Nashor. Il y a une super warp. Il est audacieux, effectivement, il y a une très bonne vision, il y a une vision corniche aussi, téléportation sur le flanc supérieur. On a réussi à kidnapper Lucide, non pas totalement. On a le focus quand même sur le jungler. Des D+K à l'entre-deux mondes qui a été lâché, mais regardez sur le côté, Jackilov qui se fait monter en Y par Kingen, et maintenant le teamfight, ils sont très bons. Showmaker n'a pas encore enclenché, il faut gérer le Colosse 369, mais je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Dernier souffle, ça reconnecte sur Cream. 3 joueurs contre 1, mais pas de jungler Tréton. Ah, le Baron Nashor va être compliqué à réaliser. Je le dis, les Top Esports ont pété les plombs. En fait, leur call, je peux le comprendre parce qu'ils ont l'info sur le base d'Aiming. Mais oh, Aiming, oui, c'est une misfortune, il court très très vite, donc il est revenu sur la carte beaucoup plus rapidement que ce que Tess pensait. Et en claquette, hein, si je peux me permettre. Oh, attention, Showmaker sur Krem qui force tout de même le flash out. Et là, le Baron Nashor avec cette téléportation, il semble acquis aux Damwon qui sont en train de comeback complètement dans cette game.
et qui pourrait rendre le BO très intéressant. Ah, ça sent bon la troisième game si on joue ce Baron Powerplay, bien sûr. Sans erreur majeure. Mais action coup de poing de la part de Kingen, hein, un peu décrié dans ce match. S'est fait soulever, bien sûr, dans son 1v1. Mais là, il a pris Jackie Love à partie, il lui a montré qui était le patron. Et très close aussi l'interaction avec Tian et Aiming, il a essayé d'ultimate avec son scanner, parce que là, Aiming est bloqué dans l'ultimate de Aurora, il n'arrive pas à le choper, Tian. Et après, Aiming, c'est vraiment facile pour lui, Kingen pareil en flanc, il n'y a plus rien. Et forcément, quand côté test, il y a un des deux carrés qui saute vite. Bah ouais, il n'y a plus rien. Bah, même si 3-6-9 est gigafit, que son cas santé fait une game indécente, bah il peut rien faire. Bah en forme d'ultimate, il est pas très endurant. Ah, il faut que Jackie Love puisse survivre, hein. La TP était bonne. Oh, les dégâts qu'il a mis, putain. Voilà. Ah, il est... Ah, j'allais dire, il est pas trop dérangé, mais comme tu l'as soulevé précédemment, il se positionne quasiment à la perfection. Aiming. Enfin, il fait une grosse game. Et là, maintenant, les dégâts vont pouvoir accélérer. Leur composition peut commencer à prendre le dessus aux trois items. Tankiness de test est cool. Mais peut-être pas suffisante, parce qu'il faut tellement de temps pour que Jackie Love puisse tuer des gens. Ah, et Cream aussi. Ouais, ils ont pas la patate, hein. C'était un pari en même temps, ce last pick Kalista. Hein. Je pense vraiment que Xayah c'était bien. Ah, je suis d'accord. Même sans Rakan. Bah, une composition qui était all-in, tu peux pas faire... C'est difficile de faire plus intimidant que celle des D+. Après, peut-être qu'il s'est dit que la phase de lane aurait été compliquée contre Miss Fortune. A raison, 3-9 forcé de reculer, même lui maintenant doit respecter les Damoines. Attention, petit catch. Alors, Lucie ne devrait pas être trop en danger, à moins qu'on investisse des cooldowns pour le récupérer comme ce remorquage qui est trop court, qui est beaucoup trop court. Et maintenant, la réponse, bien sûr, va se faire entendre. Showmaker qui commit pas pour le moment, qui utilise sa QSS, Moham qui essaye de rengage. Il est un petit peu seul, teammate de Miss Fortune qui fait quand même beaucoup de dégâts, match sur Moham. Et forcé au flash out, on se repositionne pour les dégâts, mais ça va mettre un coup d'arrêt. Alors Baron Nashor. Et un passage au stand obligatoire pour Tian. Par contre, ce qui peut être très drôle, c'est si Test arrive à récupérer des dragons des montagnes. Le cas santé, ça va être quand même marrant, quoi. Ouais, très drôle. Ah bah. Il fait quoi, Showmaker? Showmaker? Bah il va... Bon, je sais pas, c'est Yone, hein, tu sais, il peut se permettre beaucoup de choses. Hein. Il fait quoi? Il fait Deathman Plate? Il fait Randuin? Il fait quoi? Bah pour l'instant, il fait une batte ceinture. Peut-être... Peut-être Sterak, BF plus... Non, c'est TFT, pardon. Je sais pas ce qu'il fait. Bah, écoute, pour l'instant, il se fait pétale dragon, voilà. On peut le dire. Et du coup, un dragon des montagnes pour Tess, encore deux. Encore deux, on rigole. Tu veux pas rigoler, toi? Je pense pas qu'il fasse Randuin, hein. Je regardais les suggestions du chat. Randuin, c'est étonnant, ouais. Ah, Randuin, il y a pas... Enfin, littéralement, crit not found en face. À voir, hein. J'avoue que je suis un petit peu choc-barre, je sais pas. Petit Warmog? Pour les gens. Non, tu peux pas faire ça. Il fait Jack Shaw. Bah Jack Shaw, c'est pas avec, pour moi c'est il, pas avec un... Il y a une ceinture, ah, pour moi il y a un cristal et il y a les deux trucs... Il y a pas de ceinture. MR Armor. Le chat spam Jack Shaw. Il y a une ceinture maintenant, okay. Je pensais pas. Mais... Ouais, pour moi aussi c'est la cape de Queen et la cote de maille de Godefroy et un peu d'HP mais pas une ceinture il me semblait. Mais... De toute façon, on je ne joue pas ces saletés. Terminus de compléter sur Jackie Love, alors ça va un petit peu l'aider mais... De là à faire la différence, pas sûr. Il y a une ceinture, nous dit-on. Clément nous a suggéré le cœur acier. My dream. Petit cœur acier. En vrai, cœur acier ionné, c'est quelque chose. Hein. Génial. Vraiment génial. Tout, ouais. Alors là, c'est... On n'y avait pas pensé. Et c'est 14.19 le Jack Shaw, mesdames et messieurs. Aïe. Eh bien... Kingen l'allume. Mauvaise rencontre. Eh, Lapinou, va falloir utiliser l'entre-deux-mondes, mais c'est évidemment pré-shot par Kingen. Kingen qui va certainement pouvoir accrocher. Lucide, les bolas de glace. Oh, bien joué. Oh, le petit Lapinou. Bien joué, puis Krem aussi qui s'est éloigné du fog. Saleté. Qui s'est collé vraiment au haut de la carte pour avoir le temps de réaction sur l'ultimate de s'éloigner. C'était extrêmement malin de sa part. Il perd même pas son flash là-dessus. Bon, plus ultimate quand même sur Aurora, ce qui est un petit peu embêtant. Ça revient vite, hein, genre. Ça revient très vite.
pas d'inquiétude à avoir. Qui nous fait ceinture carquois. Alors, l'enquête avance. Ceinture carquois. Ouais. Peut-être juste que la ceinture, il veut juste pas se faire one shot, il prend juste les HP. Hein. À l'ancienne ? Bah, je vois que ça. Dans l'ancien temps, on faisait ça. Et Ming aussi qui vient de récupérer un shield bow, donc le shield one shot, ça va être compliqué. Et puis de toute façon, des cas, ils sont pas bêtes. Ils voient qu'en face, il n'y a pas de dégâts. S'ils prennent un petit peu d'item défensif. Ils ont totalement raison. Même là, le Jax, pour le tuer avec Stera qui est au bout du rouleau, faut y aller, hein. Le au bout du rouleau qui est sublime. Les tests, ça me paraît être un petit peu une fin de run, hein. Dans cette game, en tout cas. À moins d'une masterclass de Jackie Love. Attrapé, Ming, pourquoi pas, il est un petit peu avancé. Ming va pouvoir bien se positionner avec sa mise sur le tube. Il est complètement sidestep et maintenant on peut regarder Kingen, son flanking absolument incroyable. Jackie Love, qu'est-ce que tu peux faire? Il flash out, il se repositionne très bien. Et dans bon. Un premier temps, Krem qui va arriver dans le teamfight aussi, qui met un gros ultimate. Mais oh, Showmaker n'a pas les dégâts, malheureusement, de faire tomber Jackie Love et personne ne meurt. Littéralement personne. Et non, 3-6-9 n'est pas d'accord. Bah non. Mais il a pas son mot à dire, on dirait bien, on va se retourner vers le lézard violet. Et de terminer le travail, Showmaker, pas de téléportation, en train de régène sur le red buff. Ça va être compliqué à contester, mais on se présente quand même à la fiesta, cette téléportation. Oh, c'est un Jax, il n'est pas du tout en danger, tout va bien, on a investi un ulti-Kalista. Les top e-sports ne savent plus quoi faire. Ils doivent reculer maintenant. Aiming a encore ce summoner et encore son ultimate. Hein. Donc des cas, s'ils peuvent fight, ils vont le faire. Un artiste hein, dans cette game, cette Miss Fort. Oh, la T2 mid qui tombe gratos. Évidemment, on appuie là où ça fait mal. Hein. Les D+, ils ont totalement raison. Vous voulez reset, vous avez burn vos CD. Eh bien, on va forcer le fight. Attention, parce que l'ultimate d'Aurore revient très vite. Lucide est un petit peu low life. Tiana a un flash pour venir contester ce Baron Nashor. C'est pas si gratos. Mais on va turn directement sur le Skarner et forcer son summoner. Et lâcher le Baron Nashor par la même occasion. Tendu entre les deux équipes, ça se Le flair, mesdames et messieurs, l'entre-deux-monde qui est lâché, Moham qui a un flash lucide qui n'en a pas, et finalement si, qui va l'utiliser à la dernière frame, attention flanking, superbement tanké, oh la vache, cette Rel. Il peut courir sur Jackie Love, hein. Il est en train de courir sur Jackie Love, Ming. Et s'il l'attrape, il va lui faire très très mal. Une auto-attaque qui passe, il va temporiser maintenant. On essaie de se retourner sur la Miss Fortune qui est forcée de la shot. Maintenant, on peut réengager. Le mec de Skarner ne connectera pas sur la MF. Ming est toujours en free DPS. Jackie. Mais peut-être que 3-6-9 peut aller chercher la DC. Il l'a fait. 3-6-9, je me cœur est maintenant seul. Jackie qui nettoie grâce à l'aide de son top laner. Kingen dans l'interception de Wave pour protéger la T1. Extrêmement bien trouvé. On ne progresse pas sur la map et Kingen, il a pas peur. Il a pas peur. Il veut gagner du temps, il veut les empêcher de jouer le Nashor. C'est vrai qu'il y a 38 secondes quand même sur Aiming. Ah, ce Nashor, il semble être pour test. Hein. Sid qui ajuste, Kingen, c'est un peu ballsy. On balance des coups de fléau. Ouais. Oh, ce serait quand même dommage de flipper dans cette position. Hein. C'est dommage de flipper dans cette position. Romeco. Lucide qui a les moyens de faire le miracle. Et non, c'est récupéré par Aurora, mesdames et messieurs. Un bel entre-deux-mondes. Est-ce qu'on termine le travail sur Kingen? J'ai l'impression qu'il a ce qu'il faut pour s'en sortir. Attention, les Damon qui font de grosses erreurs, qui grident un petit peu. On overchase sur la mid lane. Ouais. Là, on veut défendre un Baron Nashor alors qu'il y a Smite plus le E de Kalista. Ici, on fait un reset qui est un petit peu naïf. Et du coup, on se fait attraper. Après, le flash de Lucine était vraiment excellentissime. Parce qu'il a attendu jusqu'au dernier moment que quelqu'un commise sur lui. Il a bait le flash de Meko. Très très bon réflexe de sa part. J'avoue. Mais là, une fois que Aiming a pris le kill, ils peuvent le jouer beaucoup plus slow. Et surtout, ils ont pas le Jax. Le Jax est loin sur ce timing. Aiming qui s'est chauffé, qui est ralenti. Et là, on peut voir que 369 bah, va juste lui marcher dessus. Il a bien joué 369. Et Jackie Love pas touché du tout. Showmaker dans un creux aussi également, j'ai l'impression, avec ce Yone. Mm-hmm. Fait pas de dégâts, ne tank pas assez. Ah, on est hype hein, apparemment. Ah, les tests en position peut-être de win sur ce Nash avec le Rabadon du côté de Crème. La double shitbox qui vient de pop, on commence un zonia pour Kingen. Cassante gate mon cher Créton. Et du coup, pourquoi pas engage botlane ici, il n'y a pas le cas santé. Si les tests s'avancent, c'est maintenant pour DK honnêtement. Sur Meko par exemple, qui s'avance vraiment beaucoup après un ultimate de Kalista, évidemment, pour le ramener.
propulsion solaire claquée. On a deux catapultes qui arrosent généreusement la T3 qui devrait tomber. Elle tombera, cette T3, et également une bonne partie des points de vie de Lucide qui se fait approcher par le Scorpion, donc qui n'a pas suffisamment de ressources. Le remorquage passera, l'entre-deux mondes aussi s'est temporisé. Toute la backline est zonée, tandis que Kinget fait un travail d'orfèvre. Mais que peut-il bien faire? Il est transformé en Harrison, ça arrête la fin de la game, Breton. 3-6-9 fait tellement mal, il pose tellement de problèmes. Heureusement, Kinget a l'air de s'en sortir. Peut-être qu'il y a un espoir petit, mais un espoir de défense pour les Damwon. Ils n'ont plus de jungler, ils n'ont plus de support. Mais il y a tout de même encore 3 joueurs en vie. Ils vont rester sécure. Oh, Showmaker qui veut réengager, c'est extrêmement osé de la part de Showmaker qui pourrait se tromper. C'est l'ultimate de Miss Fortune, fait de bons dégâts, mais 3-stuff a directement l'interrompu. Mais maintenant 3-stuff est au contact. Et Ming essaye de se débattre. Il y a l'arrivée de Kingen, mais ça semble désespéré par les Damwon. Et les Top Esport vont se qualifier en quart de finale. Une seconde équipe chinoise nous rejoindra à Paris. Les Top Esport qui sortent pour la première fois de leur histoire de la phase de groupe des championnats du monde. Et oui, mesdames et messieurs, contrairement à ce qu'on pense, c'est un grand jour pour les Spartiates de Top Esport. Également un grand jour pour Yone, puisque c'est la première défaite d'un Yone asiatique dans ce championnat du monde. Les tests qui ont tout simplement été meilleurs que les Damwon et Damwon qui font beaucoup d'erreurs tout de même depuis le début de ces Worlds. Ah non, 2020 Ah non, 2020, c'est vrai. 2020, ils sont passés. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. J'ai flame Top Esport gratuitement, c'est l'habitude. Non, ils passent avec un beau parcours, les tests. Hein. Beau parcours, absolument. Parce que le nom des équipes qu'ils sont... Bon, il y a deux équipes, quoi. Bah, ils ont pas du T1, ce qui est quand même stylé. T1 D+, en série, en plus, ça, en 2-0. Et puis, tu perds contre Genji, quoi. Ça fait de quoi? Ça fait de toi quoi? Bah, ça fait de toi un mec solide. Un bon prétendant. Bah de la LPL. Deuxième meilleure équipe. Ouais, mais après le truc c'est que LNG. Si, il y a BLG quand même qui sont battus. Les deux équipes de LPL sont en forme et clairement t'as pas envie de les tag en quart. C'est pas les seeds qu'on attendait forcément. En plus de ça. Voilà qui est bien étonnant. Non, pour les Top Esports bien sûr. On vient de détruire le trauma de 2022, tout particulièrement, dont on vous a parlé en pré-show. Non, quart de finale, on connaît. Plus loin, faut voir. Mais la génération de cette saison, de ce championnat du monde, oui, a l'air d'être extrêmement solide. En tout cas, 2-0 contre D+K, ça veut forcément dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Comment on a vécu cette série? Eh bien, on va voir ça avec l'interview et l'analyse post-match organisée par Noah. C'est à toi. Merci Twix, merci Tréton. On aura Tian tout à l'heure du côté du micro de l'or pour le stream français. Voilà, on voulait poser les questions. Eh bien, retour de Tian à Paris. La dernière fois, c'était en 2019. 2020, je crois. Mais non. Ouais. Non, 2019. 2019, quand ils ont gagné avec Fun plus Phoenix. Oh. Et qu'ils nous ont mis. Les joueurs changent d'équipe, Shriek. Ou à zéro. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et ce sera. Ah, ce sera en post-show, me dit-on dans l'oreillette. Ce sera pour plus tard. Du coup, on se le garde pour le post-show. Le temps que ce soit réalisé par le voilà au micro de l'or. Bon, revenons sur ce match. Un Damwon, ça y est, qui échoue encore en BO3, alors qui ne quitte pas la compétition. Un flop. Ils seront maintenant en 2-2. Ils devront attendre leur prochain adversaire après avoir perdu aussi précédemment. On est déçu tout de même par Damwon. Je reviendrai après sur Shriek, grand fan de Showmaker, mais vas-y Marek, je te vois t'emparer du micro. Bah autant déçu que dans les premières journées, je trouve que les deux équipes sont exactement dans la même dynamique et au même niveau que ce qu'elles ont montré au début de la compétition, d'où le 2-0 des Top Esport. Cette aura vraiment, vraiment notable, hein. Je pense que le pic a un... Bon après on le sait que le pic est fort, mais vraiment l'impact invisible du champion est... Et juste énorme. En fait, le pic est très discret par ses animations et tout. Mais les shreds de points de vie que le champion met en permanence, c'est une sacrée folie. Là, les Damwon, honnêtement, ils avaient fait le plus dur. Ils avaient quand même scale avec une bonne compo qui peut vraiment aller de l'avant pour setup le Yone, pour setup ulti MF. Avec aiming qui était giga fed. La partie semblait être dans la poche alors qu'en face, ça commençait à gravement s'essouffler avec un peu le Skarner, la Kalista, tout ça. Mais encore une fois, un peu des erreurs, des approximations en mid-game par rapport aux autres équipes asiatiques qui font que les Damwon, malheureusement, dans ces 8 équipes asiatiques, font partie un peu du bottom, en témoigne bah, toute leur partie jusqu'à maintenant.
Et vraiment, ce qu'on peut vraiment noter, c'est 3-6-9 qui a... On dirait qu'il a, il a réussi à retransformer le K-Santé comme, comme K-Santé dans ses meilleurs jours quand il était crackbroken. Là, ça, parce qu'on voit plus autant des K-Santé faire du K-Santé, tu vois. Et dans cette partie-là, il a juste arraché la game. Genre, l'impact qu'il a eu est délirant. Terrible pour Showmaker de se faire, en tout cas, sortir de ce BO par un K-Santé. Mais Marex l'a dit, Shriek, contrairement à ce qu'on a pu observer chez Genji, chez HLE, chez LNG, des équipes qui font pas ou peu d'erreurs du côté de Damwon, que ce soit en game 1 ou en game 2. On repense à cette défense de terrain bot, on repense à pas mal de ses chaises ou à pas mal de ses actions. Il y a beaucoup d'erreurs chez Damwon. Il y a beaucoup d'erreurs en équipe et aussi individuelles, parce que même si là bah, on a une erreur qui est assez... Ce back m'a fait frissonner. C'est assez négligé, vraiment négligé hein, de la part des joueurs de D+, mais là pareil, le teamfight d'Aiming est cruel, parce qu'un ulti utilisé pour l'asti d'une Rell qui est déjà hors teamfight, je trouve ça dommage. Avec parce ta que... MF en 6 ou 7-1. Ouais, c'est... beaucoup de gens le savent, mais MF c'est un champion qui est très dépendant de l'ulti pour faire un bon teamfight, surtout face à un K-Santé et un Skarner qui ne tombera pas des auto-attaques. Et le seul moyen de reach justement cette Kalista et cette Aurora, c'est de menacer en permanence avec l'ultimate à tout moment. Et ce teamfight, ce n'est pas que la faute d'Aiming, on a bien compris que les deux joueurs qui ont base étaient mauvais, mais c'est des erreurs que tu ne dois pas avoir. Showmaker ici qui essaye de faire une... Mais justement, toi qui suis Showmaker en permanence, ouais. Ce Yone, premier Yone asiatique à perdre Shriek. Et pourtant, il a comment eu son impact. Comment tu nous expliques ça? Moi, j'ai une explication. Est-ce que tu nous as trop vendu? Bah, j'ai une explication. C'est très réel. Hein. C'est que les Damwon sont quasiment full AD. Et si tu regardes de plus près l'itemisation des adversaires, surtout du K-Santé, tout c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de fights serrés. Et ce K-Santé qui était fait avec ses 4 items armure, je crois qu'il a Frostfire, Thornmail, Randuin et tout. C'est vraiment un monstre. Et en plus de ça, il a mis 27 000 de dégâts. Et je parlais un peu de la Aurora, l'impact en permanence qui est discret. Bah là, on le voit, elle a mis. On dirait pas comme ça, on se dit, ouais, elle a fait des bons fights, elle a mis beaucoup de dégâts, mais il a mis 45 000 de dégâts dans la game. Je sais pas si on peut revoir vite fait l'itemisation, je sais pas si on a le temps, mais c'est ça qui a fait que K-Santé a eu une free game, parce que K-Santé a eu une free itemisation, et c'était juste trop, il pouvait rentrer dans tout le monde, poser ses dégâts. Old school K-Santé, Malignance, Rabadon et Zonia, et je sais pas si elle avait son 6ème item, mais c'était que des dégâts. Je vais être obligé de te ratio, ouais. Shriek. Pas parce que ça me fait plaisir, un peu quand même. Vas-y, dis. Mais parce qu'il faut aller vers le prochain BO. Alors, il y a eu un 2-0. Peut-être il y aura un 2-0. Peut-être sera-t-il en faveur de FlyQuest contre Anoa Life Esports. Hivern sera-t-il open? On ne sait pas. Mais la réponse après la pause sur OTP. Red Bull donne des ailes.